Alhamdulillah. I'm my own worst critic. Praise be to Allah. This title is for my dear men. The Bulls have been able to do it. Repeat. Wow. Five times in 7 years. Thank you. Thank you. I'm so thankful, and I want to take my hat off. This is my fifth time. I do it anytime. I do it 6, 7, 8, 9. Then I will do it again. Merci beaucoup. Oh la vache. Putain mais on y est. On y est. Enfin. Putain, c'était tellement dur d'attendre. On est tellement long. Horrible. Ah, horrible. À éviter les spoils, à éviter les messages. Ah, ouais. Éviter les appels intempestifs. Oh la vache. Bande d'enculés. Couper les notifications. Gros, gros, c'est là que je me rends compte, c'est tellement dur de pas aller sur Insta ou Twitter, frère. Même Kendrick Lamar, 6h du matin, notification. Notification, on Kendrick, on ne voulait pas savoir. Non, on veut pas savoir. On veut pas savoir. Et on ne sait rien. Let's go. On ne sait rien, on sait même pas où on va, on connaît pas les feats, on connaît pas les producteurs. Let's go. On connaît juste la cover. Ah la vache, Mr. Morale and the Big Steppers. T'aimes bien la cover? J'adore la cover, on dirait un tableau. Et oui. Avec la couronne d'épines. Incroyable, en mode de Jesus Christ. Et la crosse. Avec le même flingue. Et oui, avec les enfants, avec sa femme. Avec sa femme. Ils sont dans le trap house, on dirait. Ouais. Les photographes connus en plus. Hein. Ah ouais, ouais. Il a fait quoi d'autre? Je crois qu'il avait fait cover... je sais plus. On regardera, on regardera, on va se trouver les vêtements. Et puis, comme vous avez pu le deviner, Tariq is back. Let's go. Le cadrage est OG. La miniature sera OG. Ah, il faut. C'est vraiment le prime inarrêtable. Oh, c'est un grand moment parce que là, c'est le dernier album de Kendrick, les frères. Le dernier album de Kendrick. Et par rapport à nous trois, c'est lui qui nous parle le plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est notre point commun, les gars. Musicalement, oui. C'est notre point commun. Rappelez-vous qu'on était au Bataclan, on l'avait vu, pour Good Kid, Mad City. Ouais. On était tous les trois dans la place. Incroyable. Donc, Dame, c'était incroyable. Dame, c'était bien aussi. Après, moi, j'ai jamais été très fan des concerts de Kendrick, j'avoue. Mais il avait pris beaucoup de présence entre Good Kid et Dame. Ouais. Ouais. Good Kid, c'est un peu décevant sa présence. En plus, sa première partie était tellement relou. Le mec avec sa guitare et tout. Après, c'est plus petit aussi. Ouais, mais attends, il y a une ambiance de baiser. Non, mais parce que c'est normal. Il a fait backseat. La musique est dingue. Mais après, Kendrick en lui-même, j'avais été un peu déçu de sa présence, même si j'attendais pas grand-chose à sa présence. Mais par contre, sur Dame ou Bercy, il a pris une ampleur. Ouais. Puis même, c'est plus stadium shit, tu vois. Ouais, non, mais même sa musique, elle a changé. Ouais. En tant que rappeur. Hier, je me suis refait, mec, gros, hier, je suis allé sur la chaîne YouTube de TDE. Et j'ai mis, genre, dans l'ordre chronologique, genre, les premières vidéos, mec, des freestyles en studio de 2009 et tout.
Genre en plus il y a des trucs, c'est J-Rock feat K-Dot et oh tout. Oh mon dieu. Mec, les classiques, les clips avant c'était vraiment des moments de vie, Tidy. Genre ils sont dans des épisodes, The Earth Part 1 par exemple. Un vlog. C'est un vlog en fait, ils sont là, puis tu vois Kendrick est hyper jeune un peu. Sur les, ils vont taper un volonté avec Absol et J-Rock. Ouais ouais, ça c'est sur ces WhatsApp ça. C'est ça. Donc mec, c'est iconique gros, c'est incroyable ce qui se passe. Donc en vrai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ème projet. Si on compte Sexuality. Bah si on compte Overly Dedicated. Kendrick Lamar EP, Overly Dedicated, Section 80, Good Kid, To Pimp, Dame et ça. Ouais. Untitled Master et les temps. Bon, ouais, une compile. Ouais, une compile. Et puis comme tu disais, les sons sont pas masterisés et tout. On est sur une des meilleures discographies de l'histoire du rap. Déjà. Ouais, déjà. 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 Peu importe l'issue de cet album. C'est ça. J'ai réfléchi, en fait, Kendrick n'a pas un mauvais projet, n'a pas un projet moyen. Non. Même Dame, qui est le projet que j'apprécie le moins, ça reste un très bon album. À partir de Section 80, c'est soit chef-d'œuvre, soit très bon. C'est vrai. il never miss. Il y en a très peu dans le rap. Il ne manque jamais en vrai. Il s'est jamais loupé. Et là, j'ai l'impression que c'est comme un Game 7 en fait. Là, ouais. Game 7, c'est le dernier. Surtout qu'à chaque fois, il arrive à nous surprendre. Après, c'est le dernier. C'est le dernier quoi? C'est le dernier album, gros. Moi, je pense qu'il va en ressortir un, mais. Ouais, mais dans 10 ans. Moi, à mon avis, ce qui va se passer concrètement, c'est que là, il va grave mettre en avant les gens de PG Lang. Voilà. Il va sortir leur projet, il va être en feed dessus. Et lui, il va ressortir un album en 2025-2026. Tu vois. Bah, il a laissé passer 5 ans entre Dame et celui-là. Hein. Donc, mec, moi je vois plus de temps encore entre celui-ci et le prochain. Mec, je pense que c'est un mec qui kiffe trop le rap. Pour... Mais après, en vrai. Après, entre temps, il a eu les enfants et tout aussi. Tu vois. Ouais, il y a ça. C'est devenu super important pour lui. Qu'il les mette en cover, c'est super important. C'est et hier, je le disais dans le live, j'avais fait un live vite fait. Il disait, mais en fait, c'est une boucle parce que Good Kid, Mad City, il monte sa famille, mais lui étant petit. Ouais, et là, il monte sa famille, mais. En étant le provider en fait, tu vois, celui qui tient la famille. Ouais, bah oui, c'est son changement de rôle, c'est son évolution en tant qu'homme, lui qui a grandi, lui qui a des responsabilités. Non mais gros, là je sais tellement pas dans quoi on va aller, je sens que ça va être déroutant. Je pense que c'est ça. Je sens que ça va être déroutant, mec. Est-ce que t'attends du Bresson? Est-ce que t'attends du Turner? Moi je m'en fous, j'attends rien. En vrai, c'est juste, on est ouvert. Je veux du très bon. Peu importe, même si c'est du zouk, c'est très bon, je m'en fous. Du compas. Genre, du compas. Voilà, c'est ce que je disais hier. Non mais gros, en vrai, pour moi, tu vois, il a énormément donné pour le son West Coast. Il a, pour moi, il a un peu, on en parlait, il a fait un peu ce qu'il dit. Devait faire pour le son West Coast. Depuis Dame, tu vois, c'est beaucoup plus. C'est au-delà. C'est plus global. C'est plus global. Donc pour moi, c'est son 7ème projet. Ah oh, ça me dérangerait pas qu'il y ait un virage. Mais c'est juste, faut que ça soit très bon. Mais le virage, il a été amorcé sur Dame déjà. Oui, déjà, parce que plus pop. Oui, mais pas déroutant. Dame n'est pas déroutant. Des sons, non, il y a des sons incroyables, genre ça te met des gifles et tout, mais t'es pas là en mode. Il n'y a pas d'expérimentation. Voilà, c'est ça. Okay. Peut-être triple X à la limite. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est tout. Après le reste. God. C'est God a influencé Kanye. Voilà, il sort de sa zone de confort, mais c'est pas de l'expérimentation. Non, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas un truc qu'on est là en mode, dans le monde mainstream, j'ai pas l'habitude. Ah, genre, donc tu t'attends à écouter un album. Où t'as aucun repère. Bah en fait, c'est pas ce que je veux, hein. Je m'en fous de ce que je veux, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Il y a moyen que ça se passe, pas tout l'album, mais je pense à mon avis qu'il va y avoir des trucs, on va être là en mode wow.
Toupim, gros, c'est déroutant. Hein. Toupim ouais. est plus déroutant que Dame. Hein. Oui, oui, clairement. Mec, For Free, For Sale, le truc comme ça. Ouais, gros, ouais, mec, je l'aurais écouté hier sur mon vélo assistance électrique, là, en rentrant de la Non, mais en gros, là, en plus, écouter du Kendrick avec, en vélo avec le temps actuel, gros. Mec, quand j'ai écouté The Heart Part 5. Oh mon dieu. En ridant, là. Non, gros, c'était n'importe quoi. Quels sont incroyables. Et là, je me disais, mais les For Free, les For Sale, mais qu'est-ce que c'est que ça, gros? Comment est-ce qu'il s'est dit, je vais poser du rap là-dessus? Et tu vois, ça, c'était beaucoup plus déroutant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que toi, t'as mis 2-3 mois à te le prendre tout de suite, je me souviens. Ouais, parce que j'avais pas aussi une affinité particulière avec le jazz. Par exemple, aussi, ouais. Tu vois, c'est vrai que tu sors de me casser un peu la tête. Tu sors de Good Kid. Oui, rien à voir. C'était dur. En plus, il présente en premier single King Kunta. Ouais, un truc un peu. Il y avait High aussi. West Coast, il y avait High. High, ça allait encore. Ouais, mais c'était pas jazz. Ouais, ouais. Tu vois, quand t'écoutes Too Pimp, ça a prédominance jazz, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais après, bon, la replay value est exceptionnelle. Et puis le message, et puis quand tu comprends l'album, bah, c'est sûr que ça met du temps. Hein. En vrai, un album de Kendrick, tu peux pas l'apprécier dès le début. Tu peux pas l'apprécier, ça a juste valeur dès le début. Non, c'est sûr. Après, tu peux kiffer dès le début. En Dame, on a kiffé dès le début. Ouais, mais, après, si tu kiffes un album de Kendrick Lamar à la première écoute, ça veut dire que tes prochaines écoutes, elles vont être exceptionnelles. Ah oui, parce qu'en fait, il y a tellement de choses derrière. Il y a plusieurs lectures, en fait. Ah ouais, non, bon. Bon, bah, on y va, hein. En vrai. Mais gros, tu sais que j'arrive pas à passer le cap de me dire, allez, on lance l'album. Ouais, mais moi, je suis bien là dans la zone. Genre dans l'antichambre. L'antichambre juste avant. Dans l'inconnu. Parce que gros, c'est. Parce qu'après, il y aura plus d'album de Kendrick. C'est ça, gros. C'est comme quand tu tapes ton cheat meal et tu sais que. Vas-y, tu vois. Là, pendant une semaine, y'a plus rien, gros, tu vois. Tu sais, le dernier burger, t'es là en mode, bah attends, je vais te laisser un peu de côté. C'est savouré, tu vois, genre. Parce que là, gros. Mec, c'est la plus grosse attente qu'on aurait pu avoir en vrai. De la chaîne? Bah, si on parle de. Si on parle pas de Dre, c'est Kendrick. Ah, bah oui, c'est la plus grosse attente. Ouais. Pour nous trois. Ah oui. Ah, bah oui. Bah, ouais. Ah, oui. Surtout qu'en plus là, ça a été annoncé vite et tout. Ouais, ça reste de 3 semaines. Vous avez aimé le rollout? Ouais, moi j'ai bien aimé. La communication, le fait que ce soit minimaliste. Puis on dirait une sorte de société secrète qui communique, tu vois. Genre, ça envoie des fax. Ouais, c'est ça. Ça envoie genre un communiqué de presse, un truc. Y'a rien qui a leaké par contre, ça c'est bien. Ouais, la tracklist. Le fait qu'il n'ait même pas dévoilé la tracklist avant, c'est ça cool. C'est bien aussi, ouais. La cover que 2 jours avant, même pas. Ouais, et du coup, s'il a pas dévoilé la tracklist, ça veut dire qu'il veut qu'on découvre la tracklist. Il veut qu'on découvre la tracklist, je pense. T'as pas vu la tracklist, toi? J'ai pas vu, je n'ai rien vu. Toi, tu connais le nombre de tracks, putain. Moi, je connais le nombre de tracks, ouais. Moi, je sais pas. Bah, je viens juste de l'avoir. Et moi, je veux pas savoir. Tu viens de me donner le téléphone. Je sais. Encore, j'ai juste. Voilà. Je vais me prendre une bouteille d'eau, quoi. Par contre, est-ce que tu peux me le débrouiller? Parce que je sais pas, ça va. 24, 23, ouais. Jordan Covid. Voilà, il connaît. Alors, 24, 23. Alors, non, c'est. Là, t'es sur l'album, là. Non, j'ai. Ah, okay. Ouais, moi aussi, je suis là, mais j'ai des. Mais attends, mais donc, t'as vu toutes les tracks, ça veut dire que t'as non, parcouru. Non. Ah, non. Je suis juste sur la page là, de Tidal là. Ah, okay. C'est parti pour l'écoute de Kendrick Lamar, Oklahoma, Mr. Morale and the Big Steppers. Mais attends, je suis pas prêt. Mec, j'ai une boule au ventre. Moi aussi. J'ai un repas dans le vide. Il y a un petit stress en vrai. Je sais pas si vous sentez. Ouais, ouais, moi j'ai un stress. J'ai l'impression que je vais passer un examen. Ouais, alors fou, que non. Là, je suis passé en oral là. De ouf. Ah, je suis là, je suis passé en oral. C'est. Let's fucking go. Mais à fond, bordel de merde. Attends, même l'intro, genre, ça veut quoi, frère? La dernière fois qu'il y a eu une intro sur l'album de Kendrick. Blood. Attends, et après chaque track, Tariq, tu nous donnes les crédits. Tell them the truth. I hope you find. Tell them I've been going through something. 1,855 days. What is a bitch in a miniskirt? A man in his feelings with bitterness. To make a repetitive narrative on how you did it first. That is a predator here refer. What is a house with a better view? A family broken in variables. What is a rapper with your therapist? I can debate on my demons and sharing it. Whoa, inside of this, I'm waking up one and another. I'm women, I hope it's like a.
The numa steady with black G-Wagon away from. It was all for rap, late reaction. 50 came to cousins, post the caption. Pray none of my in- I dream different. The Chicago, North America tour, my eye closed. V-5-4-5, she failed to say goodbye. Chad left his body after we FaceTime. Green eyes at the field. Post the caption. Pray none of my enemies hold me captive. So what? Paralyzed the county footage. J'avais dit déroutant. Ah, oh, j'avoue, là, c'est... Non, franchement, je sais pas quoi dire. Moi non plus, je sais même pas quoi dire, le seul truc où je sais quoi dire, c'est qu'il a un flow de malade mental. Genre là, c'est... Mais il peut rider n'importe quel prod. Franchement, on l'entend, là, c'est incroyable. Les percussions, elles sont tellement rapprochées, tellement... C'est tellement rapide, et il suit la cadence. J'ai l'impression qu'il est dans le traffic jam. Genre, tu vois, genre, il... Tu sais, il y a beaucoup de circulation, il est là, il doit aller d'un point A à un point B, il y a énormément d'urgence dans le morceau et tout. Ouais, de ouf. En fait, le morceau, je le sens ultra urbain. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Urbain des années 70-80 un peu, tu vois, avec les fumées qui sortent des bouches d'égout. C'est un peu les parades, tu sais, les parades, tout va vite et tout. Ouais. Comme un film à l'ancienne. De ouf. Putain. Attends, gros, alors, dis-moi, c'est quoi les producteurs? Alors, Soundwave, oh putain, Team Maxi, JLBS, Beach Noise, oh, Oklama et Duval Timothy. Qui mixe? Assistant de mixeur, TreeStation, Zach Pereira, Anthony Vilkis. Et en mixeur, Mani Marokin. Ok. Putain, et... Soundwave. Ah ouais. Putain, ça fait toujours là, tout petit, il est là. C'est... Ouais, de fou. De toute façon, mec, c'est fou. Non, mais là, par contre, je... je sais pas, le morceau, il a une narration, en fait, la musicalité, l'instru. Ouais, ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire. Et j'ai l'impression qu'il parle un peu de... Je crois qu'il parle, en fait, de la manière dont il fait ses deuils et tout. Il dit « I grieve different », genre je fais mes deuils différemment. Il a pas dit ouais, aussi, ça fait 1445 jours, donc la dernière fois qu'il a drop... Je sais, ouais, il parle début, de ça, je me disais, est-ce que ça correspond au nombre de ça ou à un autre? Bah, ça fait à peu près ça, en fait. Hein. Je sais plus. Ça fait 5 ans. Bah, 365 jours, fois 5. Bah, c'est ça, à peu près. Ouais, 16. Bah, je sais plus, bah, bref, on regardera, mais... Mec, vas-y, mec, balance le prochain morceau. Comment il s'appelait, le morceau? Ah, pardon, c'est « United in Grief ». United in Grief. Ah oui, c'est ça le quand j'ai ouvert YouTube ce matin qui s'est affiché en grand. C'est ça. United que j'ai dodge. Heureusement, c'était pas un morceau avec un feat. Hein. Le deuxième track s'appelle comment? Ah, c'est ce que j'allais dire. Ok. Donc, ensemble dans le deuil. Unis dans le deuil. Mec, c'était festif, mais en même temps, il y a eu c'était un peu dramatique avec le piano. Il y avait de l'urgence en fait dans le morceau quand même. Ouais, c'est pour ça que j'ai l'aspect aujourd'hui. Non, mais gros, je sais pas. Mais je sais pas. Non, je ne sais pas. C'est un ouf. C'est un ouf, gros. Ouais. Mec, on est parti au début d'un truc avec des chants et tout. Après, gros, quand il y a les percussions, tous les bruits en plus qui s'ajoutent au fur et à mesure. Ça raconte une histoire. Mais c'est ça, on dirait, il est chez lui, après il sort, après il prend la voiture. Après il va quelque part, il double les gens. Non, gros, moi j'ai rien compris. Hein. Mais non, mais le pire c'est que je vois exactement. Ouais, je vois un peu. C'est genre comme dans les thrillers. Ouais, quand t'as fait à New York en fait. Ouais, c'est ça. Avec la fumée qui sort des bouches d'égout et tout. C'est ça. Mais il faut trouver. Genre comme dans Ambulance, dans le film Ambulance quand on est parti voir. Un peu, mais c'est plus comme t'as dit un peu 70. Ouais, mais c'est plus 70-80, ouais. C'est un peu, ouais. Ouais, il y a un peu une ambiance tout pimp, un tout petit peu. Oui, c'est teinté tout pimp. Hein. Bon. C'est quoi le prochain morceau? Il s'appelle comment juste? N95. N95. Hello, new world, all the boys and girls. Take off the foo-foo, take off the couches, take off the wapa. Take off the new and the fire, take off the fuckland, take off the reception, take off the house. Fuck! Yeah! Take off the gossip, take off the new logic, and the fucking design. What do you have? Let's go!
We show your bro for nerd. Fais tout, oui, fais tout. Say what I want about you niggas, I'm like overdraw, bitch. Oh, ah ouais, gros, oh, le banger de fou, banger de fou, avec l'énergie qu'il apporte sur les morceaux avec Baby Kim, en vrai, sur Melodic Blue, tu vois. Ouais, ouais. Cette agressivité-là, un peu aiguë, et mec, comment il ride la prod, elle arrête pas d'évoluer, gros, c'est quoi ce délire, en plus, il y a des synthés. Mais tu vois, c'est un moment, il y a The Weeknd qui va débarquer, c'est quoi ce bordel? En fait, ça faisait Stadium Track. Mais il y avait des moments où c'était hyper juste, enfin rap. Oui, juste rap, tu vois. Il y avait un côté pop, mais parfois, je sais pas, quand il y avait plus le synthé qui commençait à rapper vite, on aurait dit c'est perf sur Mad City quand il y a le changement d'instru et tout. Ouais, là. Ouais, la voix aussi là. Mais oui, c'est la voix Mad City là. Non, en gros, puis tous les changements de voix comment ils chantent, les mélodies et tout. En gros, je suis pas prêt. Il peut tout gros. Faire. Même à un moment, je me suis dit, mais attends, il y a quelqu'un d'autre sur le train. Non, ouais, non, il est seul. Ouais. Mais comme t'as dit, j'aurais grave vu The Weeknd. Ouais. Je pensais mais bien sûr. Ah, non, attends, c'est The Weeknd. Non, c'est pas The Weeknd. C'est quoi les crédits là? Ah, gros. Soundwave. Ouais. Boy Wanda. Oh putain. Giant Sweet. Et Hakim Carter. Et mixé toujours par Manny Marroquin. Putain, il n'y a plus Ali. Hein. Ouais. Ali, même sur Dame, il était plus là, je crois. Putain, mais mec, banger en vrai! C'est vrai, Boy Wanda. Mais ça, par contre, à la réécoute! Boy Wanda, ouais. Ça va être exceptionnel, gros. Bah oui! Soundwave, Boy Wanda. Oui, mais c'est pas le Boy Wanda classique! Ah non! Mec, c'est. Bah c'est avec le Soundwave! C'est orné de. Bah oui! D'expérimentation! C'est comme le Mike Will de Dame, c'est pas le Mike Will de. C'est pas le Mike Will de. Bah oui! C'est pas le Mike Will de Rechremer! Bah oui! Quand il annonce que. Quand Mike Will il dit à la radio j'ai plusieurs morceaux sur Dame, on était dégoûté, hein! Ouais, ouais, ouais! En fait, gros, DNA, Humble et Triple X! Non mais je sais pas, franchement. Non mais là c'est un track de voiture encore. Encore, ouais, c'est ça. Non mais en vrai tu mets ça en caisse, tu mets le camion, on va direct dans un mur. Ouais voilà, c'est ça. C'est ça, ouf. Exactement ça. Bon, vas-y. Allez, let's go. Prochain morceau il s'appelle comment? Worldwide Steppers. Oh là là, attends. Worldwide Steppers. Worldwide, let's go. Turn up the shit. Trop, j'ai mis un fond sur le téléphone. Let's go. He's the best. Call that black. Yo can build multi-universes. The man of God playing baby shark with my daughter. Watch, I don't think like I used to. No, I don't blink like I used to. Aqua stares at everybody over daddy's bins. I found out that he was a sheriff. That was a win-win. What the? 8 billion people on earth. Silent murderers. Not prodigious. I killed their confidence. The media is the new religion. You killed the conscience. Mais y'a que Kendrick proposé sur des prods comme ça. Moi personnellement, j'ai pas compris les sons, j'ai pas encore process. En fait. Ouais, toi aussi, ouais, je vois. Ah non, c'est dur de process, gros. Non, je sais pas quoi dire. Même ses flows, ses placements. Ouais, ils sont différents. Ils sont différents. Genre, il raconte des choses en plus. Ouais. Et t'es à Copenhague. Copenhague, pendant le Good Kid, Mad City Tour, il a baisé une White Beach. Ça me fume, il dit ouais, genre mes ancêtres, c'est une revanche et tout. Ouais, après, il parle de l'homophobie et tout. Ouais, ok. Mais enfin, j'entends des gros mots comme ça. Il y a des gros trucs, mais je. Le mec, j'étais concentré sur la prod. Le flow, ils sont en train de dire, mais. C'était attends, tellement fluide, tu m'as demandé si c'était la même track, je fais ouais, c'est la même track. Genre, c'est quoi qu'est-ce qui se passe? À un moment, il y a eu un changement d'instru. Ouais, mais après, non, c'est revenu. C'est revenu. Ouais, direct. Et du coup, ouais, c'était bien Kodak Black narration. Kodak Black au début. Okay. Et c'est produit par Tabeast, ouais. JLBS et Soundwave encore. Oh là, mec, c'est TZ 2022. Gros. Mais du coup, attends, Kodak juste il parle au début, c'est ça? Ouais. C'est la voix au début. Ouais. Bon, ça va, tranquille, le fils. Il l'a trop bien utilisé. On aurait dit la voix de Wayne aussi un peu. Ouais. Ah bah il a une voix un peu codée mais. Ouais. C'est un si Wayne. Ouais. Ouah, c'est un Wayne Kendrick, moi je suis chaud de fou. Ouais. Mona Lisa. Mais non mais là par contre l'ambiance de l'album elle est. En fait je suis dérouté comme t'as dit. Ouais. Je sais pas. C'est pas par quel pied le prendre. J'arrive pas à process en fait.
où il veut aller. Bah en fait, là c'est l'album rupture en vrai. Hein. Mec, on voit beaucoup plus que Dame. Hein. Ah ouais. Parce que Dame, il y avait Ya, il y avait Element et tout, des trucs comme ça, tu te raccroches facilement. Là, tu peux te raccrocher à rien du tout, mec. Même les voix qu'il prend, tu te dis, putain, mais... Mec, c'est nouveau. C'est nouveau. Ouais, c'est nouveau et c'est... Ah, mec, proposer ça alors que t'es un artiste majeur comme ça, c'est un truc de fou. Ouais, ouais, non, mais... C'est vraiment un truc de malade de se dire, vas-y, je vais proposer ça alors que... Je suis mainstream, tu vois. Parce que sa motivation, c'est de travailler son craft. Ouais, il propose ça sur la musique. Il a rien sorti depuis 5 ans, c'est pas comme si ça. Ouais, on fait ça. Genre, le mec ne la joue pas safe du tout, tu vois. C'est ça, c'est ça. Il la joue pas safe. Tu dis, ouais, 5 ans, vas-y, je vais la jouer safe, je vais leur sortir un projet. Ça va kiffer, tout le monde va kiffer et tout. À chaque fois, on dit ça. Mais l'ambiance est un peu lugubre quand même sur l'album, là, sur 3 morceaux. C'est oppressant. Ouais, c'est très oppressant. C'est oppressant aussi, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de percussions rapprochées, ouais, tu sais. C'est comme si ça tabassait un peu. Mais en fait, c'est. Bah, c'est un peu déconstruit, genre. C'est un peu l'oppression qu'on a sur tout Pimp parfois. Hein, par moment, ouais, je suis d'accord. Il y a des couples de tracks, t'es oppressé de fou, c'est très dense. Bah, là, c'est très très dense. Hein. Sur la première moitié de l'album. Ouais, ouais. Mec, là, c'est hyper dense, gros. On a écouté que 3 morceaux. C'est 3 sons là. Ah, ouais, putain. Il s'appelait comment Worldwide Stepper, ouais, c'est ça Worldwide Stepper. Ok, prochain morceau, c'est quoi Die Hard. Vous voulez les featuring Non. Jamais, gros. Vas-y, c'est le Daya. C'est Daya. Waouh, Daya, le Daya. Vas-y, lance, let's go. Moi, je pense là, on va avoir Baby Kim et l'autre mec, je pense. On dirait le morceau. The volume, pas non, ouais, et, le The Light, je sais plus quoi, sur Black Panther. Ah, le single. The Light. Il a cut au bon moment. Mec, c'est ce fucking jam. Bon. Ouais, le morceau. C'est un putain de jam. Au début, j'avoue, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Parce que je me rappelais des morceaux un petit peu plus ouverts comme ça sur Dame qui finalement je ne réécoute plus du tout. Love. Les Love, les Pride et tout. Loyalty aussi. Loyalty avec tu vois. Là. Mais quand Kendrick débarque, gros, il a un putain de groove. Hein. C'est gros, c'était hyper estival. C'était caribéen limite, tu vois. C'était limite caribéen. Et du coup, là, je me suis dit, putain, il est totalement en phase. Avec, je sais pas, avec toute l'atmosphère du morceau, est-ce qu'il veut proposer dessus. Et les deux, juste pour savoir qui est en featuring. C'est quelqu'un qui s'appelle Blast et Amanda Riffer. Ça doit être des nouveaux artistes, c'est Petit Lang. Alors je sais pas, normalement il y a que deux artistes pour l'instant. Ah ok. Mais mec, je savais qu'il allait mettre des no-names. Oui, savais, bah oui, c'est sûr. C'était sûr. Bah oui, de toute façon sur ça passe bien. Ils font le taf de fou. Hein. Et mec, le mec, franchement, il accompagne super bien la prod. Non, franchement, gros, comme tu le disais, on aurait dû une sorte de passion fruit sous stéroïde. Ouais, c'est ça, passion fruit de Drake sur Drake, More Life. Ouais. Et c'est un peu lui qui a ouvert ça bien aussi, sûr, tu vois. Bien sûr. Mais Kendrick il est trop fort, frère. Il est trop fort. C'est quoi ses mélodies? C'est quoi ses chants? En vrai, il a progressé en termes de chants, c'est incroyable. C'est le fou, ouais. Tu vois, et là. C'est un truc que j'attendais, parce qu'il en avait parlé il y a quelques années. Tu voulais interview. Beaucoup plus chanter. Ouais. Ouais. L'album, un peu ça, je suis. Mais. Mais en vrai, le son, en plus, mec, il est tellement bien mixé. Ouais. Genre, mec, les cloches, quand elles passent là, c'est incroyable. Les violons à la fin, incroyable. Ah. Et comme t'as dit, ouais, humeur estivale. C'est ouf, gros. Il maîtrise, c'est pas un truc qui. Mais un peu agressif, en fait, ouais. Tu vois. C'est pas genre. Estival, mais c'est mou. C'est pas mou. C'est pas vide, quoi. C'est pas. Tu vois, c'est genre. On y va. Qui prod? Alors, c'est JLBS encore, FNZ, Soundwave,
Hakim Carter, Dai. Et il y a aussi. Il y a du Thundercat aussi. Oh putain. En basse. Putain, il fait une sorte de Dream Team. Ah oui, il a fait un. C'était quoi le nom déjà? Die Hard. Okay. C'était pour sa meuf, je crois, un peu, non? Ouais, c'était un peu romantique, driven. Mais je sens que ça va être beaucoup plus à la réécoute, c'est comme Passion Fruit. Bien sûr. Ça va être tellement, ça va être tellement dans un mood, tu bien vois. Bien sûr. Parce qu'en fait, l'aspect pop qu'il donne au morceau, elle n'est pas non plus trop vulgaire. Elle est bien dosée. Elle est bien dosée de ouf et très intéressant d'avoir mis deux chanteurs, un chanteur, une chanteuse. Le morceau, il est ultra riche, je crois. Ça peut être un single, hein. Oui, clairement, ouais. C'est flippé ça, hein. Avec sa meuf, et tout, let's go. Dans les îles, bah au Ghana, là. Au Ghana, il y a... Documentaire. Peut-être. Alors, bon, c'est quoi le nom du prochain morceau? Là, c'était le quatrième, là. C'est le quatrième. Cinquième track. Le cinquième, c'est Father Time. Wow, donc, Father Time. Let's go. Et oui, le parenthood. La paternité. L'heure d'être père. Les pianos sont exceptionnels. Come from a generation of home invasions, and I got directions that I can't see. Daddy issues all across my head. Told me first I stand outside, laughing with my friends. They don't know my life. Daddy issues, maybe like you could be a bitch or step out the margin. I gotta quit. I'm charging baskets and fuck up. Practicing on payoff stuff. Before I love you, ready empathizing for my relief. A child that grew accustomed, job work so soon. His first reply was something's life, and bills got no silver spoon. What's brought up? What's the difference when your heart is made of stone and your mind is made of gold? Fathers that figured it out without a father. I salute you, make a women a break. Grown men with daddy issues. Hold up, don't chase on me, don't chase on me. C'était powerful de fou. Ok, c'est deep, hein. Mec, vrai, on disait à la fin de The Heart Part 5 que c'était vraiment devenu la voix d'une génération, la voix d'une communauté et tout. Bah, tu vois comment il l'embrasse sur un morceau comme ça, tu vois. Sur la place, même, tu vois, quand il dit à la fin, genre, ouais, genre pour tous ceux qui sont devenus pères et qui ont réussi à s'en sortir en eux-mêmes n'ayant pas eu de père. Et qui dit ouais pour ceux qui sont encore en train de. Et moi qui sommes encore en train de. Bah de comprendre comment faire les choses, genre en attendant, genre il faut qu'on genre laisse en paix un peu nos femmes et tout, en mode tu vois, genre. Tu vois, sur les relations hommes-femmes, sur le fait, tu vois, l'autocritique et tout. Puis même, tu vois, quand il dit genre, ouais, quand j'ai vu que Kanye et Drake se sont réconciliés, ouais. J'ai pas compris, je me suis dit, en fait, c'est moi qui suis pas encore assez mature. Oh, mais... En fait, il est en remise en question, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, et en plus, il dit, genre, la manière d'avancer, c'est de déjà voir les erreurs, tu ouais, vois. Ouais. Inspirant, en fait, tu vois. Morceau qui s'adresse à... tous les pères, tous les jeunes pères, tous ceux qui sont un peu perdus, qui n'ont pas eu eux-mêmes de père et tout. C'est vraiment une voix de la génération. Et c'est pour ça que je disais, ouais, c'est le Tupac un peu de notre génération. Disons, ouais, non, t'abuses et tout. Oui, non, j'ai pas dit que c'était Tupac. C'est, attention. Et sur certains aspects, tu vois, il endosse des choses à la manière de Tupac, tu vois. Mais musicalement, le morceau, il me faisait un peu penser... Ça m'a fait penser à Section 80. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Poem and Dreams, ouais. Trucs comme donc ça et les, tout. Les drums un peu étouffés, exactement, là, avec les samples. Avec le piano et tout. Avec le piano. Et ça me faisait penser aussi un peu à Hard Knock Life. Ok. Je voyais bien Jay-Z à l'ancienne posé sur un morceau comme ça, tu vois. Où, tu vois, le rythme, il est bien marqué, donc tu vois, le MC, il peut faire ce qu'il veut dessus et tout. D'ailleurs, le flow qu'il lâche à la fin, bon... Ouais, c'est fou. Non mais même tu vois le delivery qu'il a, genre toujours cette agressivité. Genre comme quand il rappe, il est agressif, frère. Parce qu'en fait il est habité par son propos. Ouais, parce qu'il est en mission. Puisqu'il se sent responsable de donner en fait, comme t'as dit, d'être un porte-parole pour une et génération. Du coup ça revient à la cover où il montre ses enfants, comme tu disais, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité, et tout, exactement. C'est produit par qui? Non, déjà le feat. Sans fin. Ah, ok. Lourd.
sur. C'est enfin qu'il était sur More Life. Et sur, Nothing Was the Same aussi. Oui, tout à fait. Too Much. De dingue. Oh là là là. Et c'est produit du coup toujours par Soundwave, Beacon, Victor Ekpo, Beach Noise, Dai et Duval Timothy. Il y a d'autres trucs, des mecs au violon, des mecs à la basse. C'est dur à encaisser quand ouais, même. C'est hein. très dur à encaisser l'album. Ouais, hein. C'est dense à mort, frère. Le mec, on a écouté que 6 morceaux. 5 hein. Là, c'est le 6ème. C'est le 5ème, celui-là. Mais oui. Ah, c'est... Bon, vas-y, 6ème. Ça s'appelle comment le 6ème? Reach Interlude. Oh, Reach comment? R-E-A. Reach. Reach. Quand t'es riche? Ah, Interlude. Ouais. On enchaîne direct après? Oui, on enchaîne. Vas-y. Après le son d'après, c'est Reach Spirit. Ouais, donc ok, ouais, on va faire les deux. Okay. On va faire les deux. Les pianos. C'est vraiment le truc. I learned in trapping in the business. 4-5. Everybody gang gang. Most of the people that you grew up with. Now you get better. And the show got greater later. All the gang came from the LA mix. Wait, I look at this shit. We own property. Let's go! Reach Spirit. My baby to school, then I pray for her. Cause you bitches ain't never been cool. Right? 72 wings, lost 10. Ballin' with the flu, more than 2 M's for sure. Rich nigga, broke phone. Tryna keep the balance, I'm staying strong. I'm fasting. Bitch, I'm attractive. Can't fuck with you, no be lying. If I said I wouldn't get it, shit away, be a loof Buddha. I'm Christ with it. You always in the mirror more than the bitches. And my cousin tried to sue me like he. Bitch, I'm attractive. Can't fuck with you, no more. I'm fasting. Scared me, young, my own rap brother. We headed there now, are you strapped, brother? Fasting, focus out the weed, brother. I pray to God that you realize the entourage. I was claiming, not cute, I'm mortified. The new earth and how soon. Oh, mec, c'est juste. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'en vrai, j'ai kiffé. Mec, j'ai trop kiffé l'approche de Kendrick en fait sur le morceau. Le fait de le faire entièrement chanter, j'ai l'impression d'être dans un. En vrai, j'avais l'impression un peu d'être dans un club, mais en fin. Alors à 5h, 6h du matin, tu vois, il reste plus beaucoup de personnes. Il est temps de rentrer. Les lumières commencent à s'allumer et tout. Une late night. Ouais, track. Putain, mec de ouf. Je sais pas, il y a une ambiance tellement profonde dans le morceau. Mec, je sais pas si j'aime en fait là. Quoi le morceau? Ouais. Ouais, ah, bah après, je peux comprendre. Hein, parce que... Moi, je sais pas si j'aime en fait. C'est déroutant de fou. Déroutant. Ouais, mais depuis le début là, c'est déroutant. Ouais. Mais là, je sais pas si en fait je l'aime dans cette vibe là, tu vois. Parce que c'est quand même. Putain, on dirait un peu du R&B, frère en vrai. Ouais, mais moi j'aime bien. Oui, oui, toi, je sais. Moi, je veux le. J'aime bien quand Kendrick. Bah, après, j'attends pas non plus un album entièrement comme ça. Oui. Mais les trucs un peu R&B qu'il a pu faire avant, j'avais vraiment bien kiffé, tu vois. Mais ça, ça a été vraiment amorcé sur Dem. Hein. Ouais, oui. Cette mais tu vois, là. Par exemple, sur Section 80. Oui, il y a quelques sons. Ah, voilà, puis allez. Ouais. Ça, c'est un peu R&B et tout. Hein. Après, ouais. Il rappe aussi beaucoup dessus, mais. Il y a beaucoup de chants, il y a. Tiens, moi j'ai l'impression qu'il est reparti dans l'expérimentation de ses débuts TDE. Hein. Tu sais, parce qu'en vrai, quand tu découvres au début TDE, t'écoutes OD, Kendrick Lamar EP et tout, t'as pas l'habitude d'écouter des trucs comme ça. Hein. Et j'ai l'impression que là, sur cet album, c'est un peu. C'est un peu renoué avec l'ADN TDE qui était de proposer quelque chose de différent en fait sur la West Coast, tu vois. C'est vrai, hein. Tu vois. Parce que Dame, oui, il y a des choses différentes, mais c'est de la zone de confort. Enfin, tu vois, genre quand t'écoutes Loyalty et tout, c'est easy listening. Voilà, t'écoutes, c'est pas déroutant. Ça change de ce que Kendrick avait fait. Comme on l'a dit, Pride, God, ça change, mais tu comprends le morceau, tu sais où est-ce qu'il veut aller et tout. Alors que sur les tout débuts, c'est quand t'écoutes, tu vois, quand les mecs qui ont découvert Kendrick avec Good Kid ou Too Pimp. Quand tu leur fais écouter Kendrick, quand tu leur fais écouter Audi ou Kendrick Lamar EP,
C'est pas dès le début, tu vois, ouais, qu'ils sont ensemble, tu vois. Parce qu'en termes de sonorité, les producteurs, le roster là, bah, on les connaissait pas. Oui. Donc, ouais. Du coup, eux, ils avaient leur propre style. Mm. Et mais j'ai l'impression là, il s'est dit pour cet album, on va refaire un truc avec notre propre style, notre tu propre vois. Notre propre style, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est surtout dans les interprétations de Kendrick Lamar, aussi, j'ai l'impression qu'il est devenu, ouais, il est devenu pop, frère. Ouais. Là sur le dernier track, gros. Ouais. Mais c'est pas quelque mort. Chose qui me dérange. Pour moi, c'est une évolution. Oui, 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 un oui peu je vois ce que tu veux dire. Et je vois, c'est un peu l'évolution de tous les rappeurs mainstream aussi. Jay-Z est devenu plus pop. Kanye aussi. Pour Eminem, on en parle même pas. Mm. Tu vois, j'ai l'impression tous les toutes les légendes qui sont restées aussi au devant de la scène, ouais. Et qui on fait un petit virage pop. Après, c'est comment est-ce que tu le nuances et est-ce que tu proposes quelque chose de bien. Et moi, tu vois, quand j'écoute ça, ouais, c'est pop, ouais, c'est un R&B, mais je trouve ça lourd, donc ça me c'est dérange pas. Fait. En sachant que c'est son 7e projet, tu vois. Je demande pas qu'il me refasse des Backseat Freestyle et des Art of People Show, tu vois. Si. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, je kifferais, mais ça, je vais pas lui en vouloir de pas le faire. Mec, là en vrai, je vais être totalement transparent. Ça fait 2-3 tracks, je sais pas si j'aime. Ok, non, mais après, tu vois ce que je veux dire. Parce que j'ai pas assimilé en fait où il veut maintenant. Ouais, ah bah ça. Il y a pas une ambiance. T'as perdu le fil un peu avec ah, le. Ah non, mais clairement, mais ah, ouais, clairement. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une ambiance homogène, frère. Ah, moi je sens un fil. Ah ouais même. Par contre, juste l'interview de Kodak, je l'ai trouvé à chier. Oh, mais franchement. Genre sa voix. En plus, il n'y a même pas un fondu au niveau de sa voix qui se perd sur le piano qui devient dingue. Là, c'est juste. Par contre, les pianos sont excellents. Voilà. C'était excellent. Produit par qui là Attends. C'est toujours le même. Sunwave, Frano et Daï. Oh putain, mais Daï, il est 3 fois dessus. C'est ça, hein. Il y a d'autres trucs, non? Des filles, un bac vocal. Oh, on est friand de ce genre de choses. Ouais, non, non, je sais bien, mais. Nicky Gris, Sam Diou. Si l'album il continue comme ça, je vois absolument ni Dre ni Eminem possible. Mais oui, mais c'est ça en fait. Voilà. Je suis en train de comprendre que jamais Dre va poser là-dessus. Bah non, là, c'est pas là-dessus. Bah après, il reste encore des tracks. Là, on était quoi, 7ème? C'est la 7. Là, on passe à la 8ème. C'est quoi le nom? Alors, la 8. Là, c'était quoi le nom de ça? C'est Rich Spirit. Rich Spirit, ouais. Et l'autre, c'est Rich. Là, c'est la 8, c'est We Cry Together. Wow, ouais. C'est chargé émotionnellement. Allez, let's go. This is what the world sounds like. Emotional ass, ungrateful ass bitches, unstable ass. Love a pity party, I won't show up. Always act like your shit don't stick. Hey, bitch, I don't know shit. Fuck your feelings. He wants some whole shit. See, I don't know what. To that rolly chain. And who put that car in my name? Let you go, kiss you, bitch. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Bitch, you power tripping or guilt tripping? I held your ass down. You just got me little dick ass nigga that's trying to go. But you were sucking his dick. When is this shot? Go text that raggedy bitch and tell her you all that she got. Then you walk to that bitch. Give me my fucking key. I like you. Now you mad at me. I got you out of here. Nothing. I do the same when we fuck. Act like that pussy ain't loose. I whatever is comfortable. This the type of shit couples do. Should have thought about cuffing you. I'm ashamed. If you look, I don't speak. Then I'm caught on my name. Stop pretending your sentiments ain't really then what you defending. You get on top. Fuck me, nigga. I'ma fuck you, bitch. Stop tap dancing around the covers. Incroyable. Hey, il est différent, gros. Ah, gros. Kendrick is different. Ah, gros. C'est. Shady Lamar. Ah ouais, wow, c'est l'interprétation, la MMLP. De toute façon, Kendrick il avait dit dans une interview que MMLP avait changé sa vie. Mm. Donc là, on est clairement sur un morceau à la Kim. Sauf qu'il y a plus de place laissée à la meuf et qu'il ne la bute pas à la fin. Ouais, voilà. Que ça finit positivement. Ouais, ça finit, ils vont ken quoi. Ouais. Bon, après, ça veut pas dire qu'ils vont rester ensemble, on sait pas. Mais du coup, le morceau en fait,
en gros, il s'embrouille. Donc au début, c'est, enfin sur deux, trois quarts du morceau, c'est leurs embrouilles à eux. Et en fait, après, ça part plutôt sur la place de la femme dans la société. Ouais, ouais. Comment est-ce que des hommes de pouvoir abusent de leur position. Tu vois, ça parle d'Harvey Weinstein, ça parle de R. Kelly. Et du coup, après, finalement, Kendrick, ça devient un peu la représentation du mauvais comportement de certains hommes qui font que la condition des femmes n'avance pas. Et après, t'as Kendrick qui joue le rôle du mec qui dit « Vas-y, vous vous faites chier avec ça, avec vos féminismes à deux balles, vous en abusez et tout. » Donc c'est lourd le fait que, voilà, on part d'un storytelling, Kendrick et sa meuf, genre leurs embrouilles à eux, et ça évolue sur une réflexion sur ce qui se passe dans la société. Ouais. Puis il y a eu Me Too. Ouais, et ouais, tout. Ouais, ouais, d'ailleurs, ouais. En ce moment, le Amber Heard et le Johnny Depp trial. Attends, elle fait caca dans son lit. Ouais, putain, c'est vrai. Elle a dit non, bon, j'avoue, c'est une blague qui est un peu mal tournée. Carrément, quoi. Mais putain, c'était Spike qui la meuf bitch. Taylor Page, elle s'appelle. Mec, performance de dingue. Ah, ouais, ouais, franchement. Mec, performance de dingue, gros. L'interprétation. Mec, le flow élastique. C'est théâtral de fou. Ouais, c'est vrai que c'était à la mort. On pouvait voir la scène en fait. Ouais. Vous pouvez les voir s'embrouiller. Très mal. Produit par qui? Beacon, JLBS et The Alchemist. Oh, Alchemist, mais oui, le piano. Mais oui. Comme le piano qu'il a lâché sur le single de l'album de Conway, là. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais que j'avais entendu Conway débarquer. Ouais. Ah oui, ah, Griselda, il y aurait eu à la fin le tag. Griselda, il y aurait eu le tag. C'est là les mix by Ali. Ok, oh, ouais. Shit. Là, on était sur du Mad City. C'est beau. Ouais, bah oui, puisque c'était... Et Cyrus Noyce aussi. C'était cinématographique, en ah, fait. Ah ouais, cinématographique ouais. De fou. Bah, storytelling, les bruits. Putain. Putain, mais Kendrick, dans l'interprétation... Une dimension. Déjà sur To Pimp avec You, ouais, c'est quelque chose. Ouais. Mais là, on sent. Putain, mec, c'est ouf. Hein. Il s'est amélioré encore. De ouf. En plus, tu sais, il jouait un broke guy. Ouais, tu vois, ouais. On m'a dit, ouais, t'es broke, t'es fauché, t'as pas d'oseille. Mais l'aspect de acting de Kendrick, c'est intéressant parce que même là, depuis 3 ans, il avait fait. Tu sur la série Power aussi. Oui. Ouais, il avait joué un crackhead. Ouais. Il joue trop bien en plus. Bien. Ouais, oui, je moi, je pense qu'il a... moi je pense que c'est possible qu'il ait pris des cours de théâtre en vrai. Hein, ouais, moyen. Ouais, franchement, ouais. Moyen. Mais du coup, c'est cool qu'on l'entende dans sa musique. Oui, tu c'est vois. Ça. Ouais. C'est ça qui s'en sert. Bien retranscrit. Et même pas quand il y a que des storytelling, par exemple, tu vois, sur le clip The Hard Part 5. Ouais, il joue bien. Il joue bien. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, je pense qu'il a fait du théâtre. Ouais, ouais. Ça, je pense, il a step up en tout cas. Il a step up dans la manière de montrer son image dans l'acting. Et proposer un personnage en fait. Bon, ok. Hein. Bon, ça, c'était quoi, 8ème? Ouais, 8ème track, gros. 9ème, il s'appelle comment le prochain? We Cry Together. C'est ça, c'est la 8, c'est We Cry Together. Et. Je suis. Alors, on va approcher. Je suis quand même dérouté. On est sur la fin du volume 1. Donc, c'est bien. Là, bon. Ça va être la track 9, c'est la fin du volume 1. Putain, en fait, il a fait un double album, putain. En fait, il a fait un album scindé en deux dans deux... Il a fait un double album. C'est un double album, parce qu'après, ça recommence à 1. T'as volume 1, ça recommence volume à 1. Il a okay, fait c'est un double album. C'est un double album. Volume 1, volume 2. Donc là, c'est la fin du... C'est la dernière track du volume 1. Track 9, Purple Hearts. Bah, let's go quoi! Bah oui quoi! Ouais, évidemment que oui! Qu'est-ce qu'on attend? Attends, mais du coup, le premier volume c'est Monsieur Moral en fait! Je sais pas si non, peut-être. Ça s'appelle volume 1, volume 2, mais j'aurais dit ça aussi. Ouais. Oui, je pense logiquement. Ok. Mister Moral et. Parce que c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de featuring homme rap. Ah non? C'est vrai. Ça va peut-être arriver au deuxième volume. Parce qu'il y a eu des chanteurs. Il y a eu des chanteurs, il y a eu la meuf là, ouais. Donc après il y aura les Big Steppers qui vont venir. C'est ça, ce que je me dis. Intéressant. Oui, c'est ça, oui, c'est sûr. Vas-y, let's go. Allez, track 9, Purple Hearts. Vas-y. Mais du coup en fait. I dug the body, who said they saw me? I don't know about you, you just talking. But shut the fuck up when you tell yourself. But my nigga left his ass on the ground. Feel with your heart, and you still be a part of me.
running on my walk. Yeah. Rolling sevens, I ain't playing these speeches. While I'm crying. Godfrey's killer! My God, my ears are not talking to the man as God said. My good deeds in front of your door. I'm stealing by the entrance. Non, gros, là, gros, il a ramené Ghostface Killah, putain de merde! Ah, ouais, non, ça fait trop plaisir. Ah, ça fait trop plaisir. En plus, gros, mais gros, c'est Wazink. Gros, t'as vu récemment, genre jusqu'à il y a un mois et demi, deux mois, tous les samedis soirs, quand j'allais à la salle, je mettais la disco. Ouais! Je mettais du Ghostface, ouais, discographie ouais, Insta. Ouais, ouais. Mais Wazink, gros, je suis connecté à Kendrick. Non mais c'est ouf qu'ils aient connecté, c'est, gros. C'est tellement lourd. C'est trop lourd là. Ah putain. En plus la manière d'où il arrive. En mode fin Twitch. De fin de ouais, drive. Ouais c'est ça ouais. Narrateur. Bonne conclusion. Ouais mec il... Mec la voix de Ghostface. Wazink. Mec alors que ça fait depuis 93 gros. De toute façon, moi, c'est la discographie la plus constante de l'histoire du rap. Hein. Top 10, hein, pour c'est... moi. Il n'y a pas un mauvais projet et il en a beaucoup des projets. Ghostface, top 10. Il s'est énormément le renouvelé. Là, tu l'écoutes encore, il est ultra chaud. Là, le projet commun qu'il avait sorti avec Inspector Deck là, enfin, sur Zarface, ouais, Meet, ouais. Meet Ghostface, là. Mais c'était les flots qu'ils ont, mec, ils ont 70 ans. Ils sont éternels. Mais tu vois, mais puis même, t'étais venu toi quand. Bah oui, t'étais venu. Ah oui, j'étais venu. Ghostface et toi. Ouais, ouais, la Wonderland. À la Wonderland. Ouais, j'étais là aussi. Mec, c'est la. Je crois qu'en termes de scène, c'est la plus petite scène que j'ai fait de ma vie. C'est une des mais c'est là où j'ai été le plus. Complètement out de la présence de l'ensemble. Ils ont failli péter les toits même quand mais c'était parti. Ghostface, Crequan, ils sont arrivés, mais gros, ils étaient habillés genre normal. Mais c'est juste qu'en fait, c'est du charisme naturel. C'est un des meilleurs rappeurs de l'histoire, Ghostface. Hein. Top 10. Bah oui, ah oui, c'est top 10. Ah, c'est top 10. C'est top 10 Dead or Alive, tout ce que tu veux. C'était qui la meuf qui chantait là? Summer Walker. Ah oui, j'aime bien ce qu'elle fait. Tu connais? Ouais. C'est pas mal son projet là. Qui prod, ouais? Soundwave, JLBS, Beach Noise et DJ Khalil. Oh et bah la vie de ma mère, putain mais pourquoi j'ai pas dit? Mais pourquoi je l'ai pas dit au début? Khalil! Mais dès le début, les 5 premières secondes de l'instru, j'ai eu le tag de DJ Khalil dans la tête. Et je voulais dire, putain on dirait une prod de DJ Khalil, 20 des années 2000, mais pourquoi je l'ai pas dit? Putain! Bon après vous savez que je suis de bonne foi, vous savez que je suis pas un menteur. Et je vous jure que quand j'ai entendu le tag de DJ Khalil qui mettait parfois sur des morceaux et je pensais au prod qu'il faisait fin des années 2000 sur la beat tape de GTA China Wars, ouais. et putain Bishop là, même self scientifique aussi oui non mais oui ok putain let's go ah c'était chaud ah la prod était chaude. Putain, bon! En plus, ça faisait conclusion d'album, hein! Ouais! On aurait dit un peu le côté grandiose de Compton sur oui, Bikini, oui, oui, c'est vrai! C'est vrai. Mais par contre, mec, il y a trop de chants de meufs! Moi, ça me sort un peu, mais moi, je veux du rap, gros, je veux pas de R&B! Tu comprends ou pas ça? D'accord! Mec, c'était trop romantique! Ah, Summer Walker, ok, mais vas-y, elle chante trop, frère, sur le son! Après, tu veux faire quoi sur le morceau? Mec, je veux que Kendrick! Et Ghostface! Putain, il a ramené Ghostface quand même! C'est incroyable! Dès que j'entends, j'ai pas Ghostface! C'est Ghostface! C'est voisin qui m'ont ramené! Mec, regarde, J. Cole ramène Cameron! Ouais. Et Kendrick ramène Ghostface! C'est incroyable! Putain, let's go! Pour rien, hein! Mec, volume 2, let's go! Le volume 2, let's go! Oui! On enchaîne! Allez, let's go! Attends! Ça. Ne regarde pas. De toute façon, t'as été viré. Ne regarde pas. T'as été viré du groupe. Non, mais là, je veux juste qu'on me mette dans le groupe juste pour mettre. Il a ramené Ghostface et je me barre, tu vois. Non, arrête. Exprimer. Vas-y. Aïe, putain, gros. Buvez. Ah, vas-y, lance. Bon. C'est quoi le nouveau morceau? Count on me. Count on me? Ouais. Ok. We made a no way. Wrongs are done.
son, that's when you unite with the father, son. Till then, I fuss fair when the hearts and the words don't reach. What's fair when the money don't tear you yourself? Now, babies, dog. Fucking up, fucking it up. Oh no! When you was at your lowest, I love when you count me up. I love when you count me up. Many find a life in the phone. Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up. Fuck what you from? Fuck what you from? What did this? I'm for the best. You said it's not my best. I came up through the. Oh là là, et puis ça allait enchaîner. Ouais, ça va enchaîner. Oh là là, c'est quoi cette intro, frère? Il n'y a pas de J-Rock dans les crédits. Donc c'était pas ah ouais, pas non, il n'y a pas de J-Rock dans les crédits, mais pas, ils les mettent pas parfois quand c'est juste des respirations comme ça et tout. Mais je suis sûr et certain que c'est. Le A, ouais. Ouais, c'est, ouais, c'est J-Rock. Je suis sûr. Je reconnais le A. Je vous le dis, je suis sûr et certain. Non, mais ça avait, ça avait l'air. Oh, là on voit toute la palette qu'il a acquise depuis Dame en vrai, ouais. Tu vois, mélanger rap, chant, mec avec les chœurs derrière, ouais, il y avait une chorale du coup, ouais. Déconstruire ses segments de flow et ses segments de chant et arriver quand même à être catchy, mec c'est ça, il est arrivé à son, au sommet de son art en termes artistiques, tu vois, en vrai. Il y a des changements d'instru, mais ça reste, ça reste maîtrisé, ça va pas dans tous les sens. Et quand tu sens que ça va dans tous les sens, en fait, il va y avoir un truc qui va te raccrocher. Oui, oui, oui. C'est tellement minutieux que ça paraît irréprochable, en vrai, tu vois. Ah, mais c'est solide, enfin, c'est clean. Je sais pas, j'ai l'impression que oh, c'est hyper imprévisible en plus. Mm. Mais à chaque fois, quand il y a des modifications, des changements, des variations, je sais pas, ça fait sens. Ouais. Parce qu'il y a un élément qui va te ramener, qui va te garder dans le truc. Puis même, c'est bien pensé, c'est le morceau, il est pensé dans sa globalité. Il... Ouais. Putain, mais vraiment, Kendrick, en termes de performance... Bah, performance et surtout structure de track, je trouve que... Mec, il réalise des structures de track qui sont excellentes. Bah, tu sais, ça me fait penser un peu comme... je vais comparer, même si c'est pas trop comparable. Les structures de track de Damso sur 4 fois Infinity. Ouais, ouais, bien sûr. Tu sais, ouais. Genre, il a totalement changé un peu sa recette. Bien tu sûr. Vois. Mais Kendrick, c'est décuplé. Faut oui, ça. Ben, voilà, c'est Kendrick. Mais c'est sa recette. C'est pour ça que Dame est important dans sa discographie parce que tu sens qu'il avait besoin d'essayer des trucs sur Dame pour arriver à ce qu'il fait là, tu vois. Mais oui, parce que je t'ai dit, du coup, tu vois, tu sens finalement. Les morceaux qui ressemblent à ça sur Dame font embryonnaire, ouais. Ou trop simple. Mmh. En mode, vas-y, je veux me lancer là-dedans. La tenter. Mais je sais pas encore comment mettre ma patte, donc vas-y, je vais faire quelque chose d'un peu générique. Mmh. Et juste moi poser dessus, tu vois. Ouais, toi, Loyalty, c'est générique. Mmh. Pride God, je veux dire, c'est générique. C'est pas parce que. Enfin, qui ça aurait pu être Kanye sur les morceaux. Là, sur ça, je vois que Kendrick. Il y a les influences Kanye. Ah, oui. À mort. L'influence de Kanye est énorme. Elle est. Voilà. Mmh. Franchement, elle est débordante. Parce que Kanye, en vrai, il. C'est lui qui a commencé à déstructurer ses à faire des trucs comme tracks, ça, oui, mais puis même au niveau des sonorités, ça s'entend. Oui, oui, quand oui. Tu rajoutes des éléments. Avec les chœurs, et souvent quand c'est soutenu par les lignes de basse, comme ça, et après il y a une rupture. Ouais. Non, ça c'est Kanye. Kanye à mort, bah oui, bah, évidemment. Deuxième, prochain, ouais, deuxième. Vous avez pas fait les. Ah oui, les crédits, on veut les crédits. Kanye West à la prod. Donc Oklahoma, Dai, Soundwave, Tim Maxi et JLBS. Toujours. Ok. À peu près les mêmes, et c'est toujours mixé par Manny et Martin. Ok, vas-y. Deuxième morceau du volume 2. Le deuxième son, Crown. Okay. Oh la couronne. Couronne. Et oui, peut-être qu'il y a un rapport avec la couronne. Ah, la couronne d'épines. Let's go. Track 2, Jesus. Crown. Thing is in control. That's what I call love. The closest ones afraid to say they need to make the compromise. Say no, when all you've done. No, I can't please everybody. Quiet now. Yeah. Sure they want something else. C'est pas trop mon truc déjà, genre ce style-là dans le rap en vrai. Piano voix.
Ouais, piano-voix... Mais c'est un piano-voix cinématographique. Ouais, non, mais puis même, il y a un côté sombre dans le morceau et tout. Hein. Mais c'est trop long. Je trouve trop long. Il dure combien de temps le morceau ? 4 minutes 22. Ouais. Ah c'est ouais. C'est trop long. Mais je me vois pas bump ça. Mais non, mais c'est une mise en pression. Oui, mais c'est une mise en pression parce que ouais, faut voir le prochain mort track. Ouais. Mais oui, dans le flux de l'album, peut-être si après il y a genre ça fait sens. Mais du coup, tu mettrais genre les 10 dernières secondes pour voir si genre. Ouais, si ça y a une transition. Ouais. Mais parce que sinon, j'avoue, individuellement, ça se bump. Ouais, non, bah ça non, se bump pas ça. C'est dans le flux d'un album. Ah ouais, mais d'accord, ça se bump pas. Mais non, ça, mais non, ça se bump pas. Pour... Mais en vrai, ça fait élever un peu l'esprit, je sais pas, c'est bizarre, genre mec, je me suis senti un peu en apesanteur. Moi. Ouais, je me suis clairement cru en apesanteur à un moment donné. Plané. Ouais, franchement, j'ai pas détesté. Hein. Non, bah après... Pourtant, genre de son... Mais effectivement, c'est... ça ne se bump pas. Ça se bump pas, mais en vrai, dans le flux de l'album, je trouve que ça fait grave respirer, tu vois, parce qu'au moins, bon, il y avait pas trop de substance. Et juste une montée en pression et bon, les voix qui se rajoutent. Mmh. Et ça faisait un beau mélange. C'est mais. Je suis démoli là. Duval Timothy. Ok. Il avait prod l'interlude aussi, je crois, avec Conan Block. Ok, bah vas-y, prochain morceau, c'est quoi ? Prochain morceau. Silent Hill. Oh, je remets Crown quelques secondes avant. Pour s'il y a une... Ouais. 10 secondes, hein, pas plus. Transition. C'était Jeannot, magnifique, putain. Hey! Why? Push these bitches on me like who? Push these niggas on me like who? Tuck in the room and shit. Done with the zoom and shit. Fussed out. Silence. I'm stressed out. I mean, it's hard enough. I mean, it's... They don't fuck with me even if they could. Suicide code is a criminal. Track hard life like a slingshot. Spinning bin in the bins. I call the bell for Google out. I'm the type to get my shooter with. Then one up proper. All the diamonds look like Mars. All of my water. Be quiet. I'm stressed out. Et Kodak Black, du coup, qui pose avec Kendrick sur le morceau. Alors. Du coup, ça me rappelle que, évidemment, en fait, Kodak Black avait tweeté « Vous devinerez jamais avec qui je suis en studio, two goats. » Et vas-y, du coup, bah, il parlait de Kendrick. Mec, j'ai bien aimé la vibe. Non, en vrai, ça va. En vrai, il fait pas tâche. J'ai bien aimé la vibe. Après, c'est vrai que c'est sûr qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre ce genre de prod pour Kendrick, mais plus pour... Ouais, enfin, des artistes de la nouvelle génération. Enfin, la génération actuelle, en fait, tu vois. Et mais bon, c'était cool parce qu'il a bien embrassé le morceau. En fait, Kendrick est tellement versatile que même sur des prods un peu modernes et un peu New Wave et tout, il est chaud. Non, regarde quand il pose sur New Freezer. Voilà, New Freezer, exactement. J'allais sortir le même exemple, tu vois. Donc il a eu la vibe qu'il fallait. Le morceau était cool. Ça s'écoute bien. Je pense que ça se replaît bien aussi, tu vois. Mm-hmm. Et puis ouais, les voix, en fait, Kodak et Kendrick, elles s'imbriquent bien, je trouve. Parce que Kendrick, il sait grave moduler sa voix. Ouais, ouais. Bah, il peut aller dans les aigus comme les graves, il est chaud. Sa voix, bah, depuis très longtemps en plus. Hein. Mais sur Dame, il y a eu vraiment un shift, je trouve, en termes de voix. Quand il va dans les aigus, t'entends tout de suite, putain, ça me rappelle Dame, tu vois. Non, mais tu vois, ce genre de voix comme ça, il le faisait déjà à l'époque sur Section 80 et tout. Ouais. La voix un petit peu Alien, un peu Nazi Hard et tout. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qu'il maîtrise encore plus. Et c'est surtout, c'est ça qui lui permet d'inviter un mec comme Kodak Black et que sur le morceau, tu te dises pas, putain, les voix matchent pas et tout, quoi. En fait, je pense qu'il pense, quand il fit, il pense vraiment voix maintenant, oui, tu vois. Oui, je pense, ouais. Genre, terme de voix, tonalité et tout. Et Kodak Black, il a une voix archi aiguë en vrai, tu vois, un peu côté inné et tout. Un peu destroy. Beaucoup même. Mais ça va en vrai, tu vois. Là, non, et puis cool. Même au niveau du flow, au niveau de l'énergie que Kodak il a sur le morceau. C'est fluide, moi. Oui, non, franchement, c'est ça va. Non, c'est propre. Ça passe bien. C'était produit du coup par Soundwave, Boy Wanda, putain. Giant Sweet et Beach Noise. Ok. Putain, Soundwave, il est partout. Ouais, bah sur Dame aussi, il est beaucoup sur Dame en vrai. Hein. Tu regardes. Il n'y a personne. Allez, prochain morceau, c'est quoi ? Track 4, Savior. Ok. Interlude, et c'est une interlude, et il y a le son d'après s'appelle Savior. Ok, vas-y, on enchaîne. On enchaîne les deux. Ok.
If you derive your sense of identity, you ever seen a mama strung out while you studied division? Your uncle ever saw me? My uncle would tell me the shit in the movies could only be magic and a sound. I gotta pray for the basic. At 20 million, this money don't come with a probate. Mama, I said it'd be the luau, Mr. Morale. Kendrick made you think about it, but he is not your savior. Mr. Morrell, give me high five. 2 times in a code of fit. Ben Aki, Ben Aki, c'est la vie, c'est la vie. I tell the whole truth from haters. Really, are you happy for me? Smile on my face, but are you happy for me? So if they won't admit it, politically correct, and say you keep an opinion, then they're making nightmares. But that's how we all think. You can't the same face. Being manipulative is such a required taste. I rub. Franchement, je suis fatigué. Mec, l'album c'est une densité. Franchement, c'est comme tout pimp. Mais après, c'est le fait de. Avec la grosse enceinte et tout là, tous les éléments et tout, c'est en train de me. Ça met out. Là, parce qu'il y a très peu de morceaux simplistes. Hein. Ouais, bah non. Parce que tu vois, sur Dame, il y avait effectivement des morceaux, il y avait, ça partait dans tous les sens, mais après, t'avais des trucs calmes, genre Ya, des trucs où tu pouvais Lust et tout. Là, gros. Là, t'as le piano-voix, c'est pour ça que je t'ai dit. Ouais, mais le piano-voix, il est déroutant quand même. Donc, tu sais, même si le truc, la, ma fatigue vient du fait que ça me déroute finalement, tu vois. Non, tu sais pas où je vois ta Non, mais en fait, il n'y a pas un moment où c'est. Simple, mais pas déroutant. En fait, on peut pas baisser notre garde. Genre, c'est fatigant de A à Z. Gros, c'est un truc de ouf, comment c'est dense. Ce morceau-là, l'interlude de Baby Kim, j'ai vraiment kiffé parce que j'ai trouvé que putain, l'énergie qu'il a du début jusqu'à la fin, sans aucune percussion, vraiment, je trouve qu'il a ride. Chaud de ouf. L'instrumentalisation de fou. Ce morceau-là, beaucoup moins kiffé. J'ai beaucoup moins kiffé ce morceau-là. Je le trouvais un petit peu trop fouillis, j'avoue que je sais pas. Puis la voix derrière qui s'arrête pas, c'était un peu comme une alarme qui veut pas s'éteindre, tu vois. Et je sais pas, en fait, l'instru en elle-même, les sonorités m'ont pas plu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Moi, c'est vrai, c'est un peu pareil. J'ai pas trop accroché au morceau. Après, ça va jouer à la réécoute, mais c'est vrai que. En fait, il y a vraiment beaucoup d'éléments et là, on arrive à une partie de l'album où mec, ça devient chaud en vrai, hein, au premier écoute. Là, on est à combien de tracks là, digéré, là, hein. Là, c'est la quatrième de la deuxième partie, donc là, ça fait quoi, 13 13. C'est 13, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, mais c'est pas 13 tracks normales. 13 tracks denses. C'est 13 tracks, frère, il y a tout. En plus, elles sont assez longues en vrai. Ouais, c'est long. Les tracks sont longues. 5 minutes, 4 minutes. Là, ça dure combien de temps? Là, c'est là, attends, je te dis. 3 minutes 45. Ouais. Parce qu'il y a eu l'interlude. On a enchaîné l'interlude. Mais même là, je la trouve vraiment. D'ailleurs, juste, je reviens sur l'interlude de tout début. Ouais. Il y a un narrateur, en fait, il a fait appel à un auteur qui s'appelle Eckhart Tolle, qui a écrit un des best-sellers, Le pouvoir du moment présent. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en rapport. Voilà. Ok. Ça, c'était produit par qui, ça? Alors, c'est produit par Mario Luciano, Oklama, Cardo, Rascal, Soundwave et JLBS. Ok. Et avant et celle d'avant, ouais, attends, celle d'avant. Cardo. Celle d'avant, c'était JLBS, Soundwave et Oklama. Ok. Ok, et c'était Baby Kim, du coup, les deux fois. Oui, c'était ouais, Baby Kim. Et Samju, pardon. J'ai oublié Samju dans le. Samju, en dans le ouais. On c'est sur Baby Kim, tôt ou tard, il fallait qu'il arrive. Bah oui, oui. On est content. Ah bah oui. Et dommage que le morceau soit pas meilleur. Là par exemple Family Ties. Ouais mais c'est pas le même délire. Ouais c'est pas le même délire, mais j'aurais préféré Family Ties sur cet album. Ouais, ouf. À la place de ça. Bon allez, prochain morceau c'est quoi? Track 6, Auntie Diaries. Même les titres. Gros, juste les titres, je perds de l'énergie vitale. Juste
les titres, gros. D'interpréter déjà. Mec, We Cry Together. Silent Hill. Silent Hill. Call Me Out. Non, mais gros, oh, vas-y, let's go, allez. Anti-Diary Stratis. Let's go. Enough to understand now. Drinking hands down, tipping the avenues under street lights made his. Thinking I want me a bad bitch when I'm in. More money and more attention made more envy. Calling them anything but broke was less offending. Cameras on the microphone, all women and men know. My auntie was a man now. Was an act on abomination. And Demetrius was the blame. I knew he was conflicted by the for sure I did out the city. That time I broke a fan on stage to rap together. But only if you let a white girl say nigga. Putain, enfin! Gros, le morceau il me stressait de ouf! Gros, j'étais tendu! Hein, inarrêtable! Ça s'arrêtait jamais! Ah non, gros, c'est un morceau de merde! Ah ouais, c'est un morceau ultra nul! Je me suis fait chier du début jusqu'à la fin! Enfin, là où je me suis pas fait chier, c'est que j'ai compris qu'en fait, il disait pas Monty is a grown man, mais my auntie is a man! Donc là, je me suis dit, ah ouais, en fait, il parle des transitions. Bah, des transitions sexuelles, des personnes, des transitions de genre et tout. Donc sa tante est devenue un homme, et son cousin est devenu une femme, ok, très bien, cool. Mais musicalement, qu'est-ce que c'est de nul. Ah non, franchement, là, ah mais je me suis fait chier de ouf. Et ça, c'est ce que je me disais, tu vois, pendant tout le projet, là, depuis le début, je me disais, ouais, ok, c'est créatif, c'est un peu déroutant et tout, mais dans ce genre de choses, il y a toujours une limite à pas dépasser, où tu commences à partir en couille. Et commencer à proposer des trucs, vas-y, c'est bon, c'est de la branlette musicale, tu vois. Et là, je pense, là, sur un morceau comme ça, il est tombé dans la branlette musicale. Il est totalement tombé dans la branlette musicale et j'ai détesté le morceau. Il a voulu trop en faire. Oh, il a voulu trop faire son truc un peu qui t'élève et tout. Puis tu sais, à la fin, on a un peu de théose, mais ça dégageait rien. Et putain, mais qu'est-ce que c'est redondant. Ah non, gros. Ah non, c'est bon. Ça, faut. Ah non, skip de fou, gros. Qui prod. Beacon, Beach Noise, Beacon and the Donuts, Tyler, Mellon, Baker, je sais pas. Ouais. Sergio German et Craig Balmoris. Gros, c'est ça, il a voulu trop faire un truc un peu alternatif. Ouais, ça, c'est la limite. C'est toujours la limite des rappeurs créatifs et qui veulent pousser le truc. Il y a un truc à pas dépasser et ça, tu vois, là, c'est bon. Ok, bon, on a compris que t'étais créatif, on a compris là. Oh, il a voulu procurer quoi, gros, concrètement. Ça t'a procuré une élévation. C'était juste chiant. Ça faisait quoi. Genre révélation, tu sais, ouais, avec tous les trucs qui s'imbriquent. Mais bon, c'est LGBT shit, quoi. Après, oui, peut-être, tu vois, genre au niveau des paroles et tout, il raconte des personnes qui ont vécu ça dans son entourage et tout, donc ça peut être intéressant. Mais gros, à la base, moi, j'écoute de la musique pour de la musique, et après, les paroles, ok, tu vois. Et là, musicalement, force est de constater que c'était vraiment chiant. Et c'était long. Gros, à la fin, j'étais tellement tendu, gros, ça dure combien de temps? 4 minutes 41. Mec, voisin que ça. Bon, prochain morceau, s'il vous plaît. Mister Moral. Mister Moral. I've seen in my life, I couldn't sleep last night. Demons that been outside, better known as myself. I'll tear you in pieces cause it's way too heavy. My diamonds, the choker is heavy. Carries my mother abused young. Like all other mothers back where we from. Cousin struggle with addiction, then watching her firstborn make a million. And both of them off the bus. Who in alignment like us? Ça c'est track combien ça? Track 6 non? 5? C'était la 7 pardon. Ah 7? Sur Moral. La 7 du CD2. Ouais. Et du coup Pharrell est dessus? Oui, produit par Pharrell. Putain. J'ai entendu, de toute façon j'ai entendu ça moi donc. Mais prod de dingue. Grave. Upbeat. Mec c'était hard, mec, le flow de Kendrick il était hard, gros. J'aime trop quand il rappe comme ça, putain. Pas quand il y a des aigus, quand il rappe droit. Straight.
Non mais là oui, non mais là ça je suis convaincu. Bien sûr qu'on est convaincu. Et un peu l'ambiance qu'il y a sur les sonorités sur l'album de Baby Kim en vrai. Hein. Mmh. Je trouve. Hein. Ouais. Moi Baby Kim il aurait débarqué sur le morceau, j'aurais trouvé ça totalement normal. Hein. Ouais. Non mais. Là ça me remet un peu dans l'album, mec j'ai décroché. À cause des deux derniers morceaux là? Bah deux voire trois maintenant. Il y avait quoi? Il y avait l'interlude. Il y avait le morceau de... Mec depuis. Il y avait trois, ouais. Depuis Crown en fait. Bah. Les morceaux qui sont partis après Crown, qui sont qui... C'était interlude de truc, ouais, single plus. Il y avait Kodak Black. Mais attends, je vais voir ça. Non, Kodak Black c'était avant. Non. Il y avait Haunted Diaries, donc celle d'avant. Ouais, alors. Savior et Savior Interview. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais, ouais, c'est, ouais. C'est ça. Ah, c'est ça. Aussi. Mec, après Crown, j'ai totalement décroché. Ouais, c'est, donc c'est l'interview de Baby Kim, le morceau feat avec Baby Kim et le morceau de merde derrière. Ouais. Donc c'est ça, je suis d'accord. Ok. Le prod de Pharrell, t'as fait? Ouais, mec. Mec, Pharrell, il est chaud. Mec, il est chaud, gros, ce qu'il a fait sur la bonne Pusha T, gros. Ce qu'il fait là. Et là, rien à voir. Bon, après. En vrai, putain, Pharrell, il y a toujours la connexion avec Kendrick sur ses albums, hein, c'est ouf. Hein. Alright. Alright. Good Kid. Ah, sur Dame, il n'y a pas, ouais. Good Kid sur Good Kid My City. Good Kid. Let's go. Prochain morceau, c'est quoi? Mother I Sober. Ouh. Track 8. Allez. Putain. Mais attends juste. Est-ce que tu veux savoir quand c'est le dernier morceau? Parce que pour que tu saches. Ah oui, il va me dire, mais il va le dire quand c'est le dernier. Bah, dis-lui quand c'est le dernier morceau. Bah oui. C'est, l'avant, c'est l'avant-dernier. Ouais, bon, voilà. Bah, que tu saches, je sais pas, peut-être. Oh, ouais, et alors, le prochain morceau, je sais pas. Putain, mec, je. Moi, je suis mitigé. Mec, bien sûr. Vas-y, lance. Vas-y. J'étais là pour la violence. Je suis beaucoup plus. Transformation, then reciprocation, karma was returned. Healer, mother cried, put their hands on her. It was family ties. It's taking shape. My mother's mother followed me for years in her afterlife. Falls and moments, still holding on it. I can trust myself. I started rocking. He sees me, did he touch you? I said no again. Still they didn't believe. Pure soul, even in her pain. No, she cared for me. I thought I left. I pray our children don't inherit me and feel inside. I heard that she titled shame, so I set free my cousin Chaotic. Anybody but myself. Mec, c'est bon, y'en a marre, bon. Mec, il est où le gangsta shit là? Sérieux? Before I go and pray. Décevant. Mec, je sens que les gens vont se branler de ouf sur c'est le ça, fond. Mais c'est exactement. Non, mais gros, le CD2, c'est fait pour les gens qui se branlent sur la musique. Gros, j'ai l'impression de la musique de défilé de mode, truc alternatif. Bah, arrête avec ce terme. Genre, on a plus de limites dans la musique. On n'a pas de frontières, on mélange tout, on crée quelque chose de nouveau. Mec, il est tombé dans un truc. Tu penses que c'est de l'auto-branlette? Mec, en fait, c'est de la musique. Tu sais, c'est comme la rapstrée là. C'est la même, il nous fait de la musique abstraite en fait là. Genre. Non, en gros, c'est de la branlette de fou, gros, musicalement. Après, lyricalement, c'est autre chose. Il y a un fond, en vrai, il y a un propos et tout. Ah, il y a un truc, c'est chargé. Hein. Même ah, c'est chargé, en très, très, très chargé. Mais le problème, c'est que. On ressent pas l'émotion. Mais c'est mal. Voilà, c'est pas transmis. C'est pas transmis du tout parce que musicalement, c'est de la merde. Gros, faut dire ce qu'il y a. Le CD2, il est faible de fou, gros. Il est faible de dingue, le CD2. Il y avait des sons dans le 1 qui étaient pas ouf non plus. Hein. Moi, franchement, le CD1, je me le suis pris. Le CD1, je me suis grave pris de ouf. Et il y a aucun moment où je me suis dit, je me fais chier, je m'ennuie, c'est chiant, c'est lourd, c'est long. Là, frère, c'est bon, quoi. Pff. Ouais, enfin, il y a le morceau avec Pharrell. Okay. Kodak Black aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a ça. Mais ça va, ok. Mais bah, il fait... C'est du easy listening, ça va. Ouais, mais putain, c'est pas à la hauteur du tout, quoi. Putain, mais ça, mais je vois tellement, en plus, il y a des gens, ils vont tellement branler le CD2, je le sens. Putain, mais c'est pas possible, c'est... Les mecs il woke. Est allé trop loin. Les mecs woke.
Non mais il est allé trop loin. Il est allé trop loin dans je veux montrer que je suis créatif, ouais. Je veux repousser les trucs et tout, mec, c'est... Non. Franchement, là, je suis un peu... Ouais, c'est décevant. Vas-y, dernier morceau, let's go. Putain, bon, bah, on pouvait pas s'attendre à Eminem, Dre et tout, là, c'est cuit. Hein. Ah, vous êtes... Ouais, bah oui, là... Tant mieux qu'il pose pas ce genre de conneries, hein. Bah, Eminem, il aurait pu... Hein. Ouais, non, mais c'est cool. Du coup, c'était juste produit par Beacon, JLBS et Soundwave. Ouais. Soundwave, il attend. Non, mais du coup, ouais, Kendrick n'a pas réussi le... Bon, bref, ouais, vas-y. La dernière, c'est Mirror. Oh. Mec, les titres sont devenus corny. Ah, tu oublies. Waouh, ça finit comme ça, abruptement. Je déteste ce que Kendrick est devenu, s'il vous plaît. Ramenez-moi K-Dot, putain. Non, mais s'il vous plaît, ramenez-moi K-Dot, je déteste ce qu'il est devenu. Je déteste ce qu'il est devenu et... Et le pire dans tout ça, c'est que ça faisait plusieurs... Tu vois, quand il y avait les photos là, où même t'avais commencé à dire « Putain, il va me sortir à Jésus et tout. » Si je te disais « Putain, je me sens bizarre, mais je me... » Mais vas-y, je me disais « C'est Kendrick. » Et là, il y a eu The Horde Part 5 et tout. Je me suis dit « Non, en fait, vas-y, tous les doutes que j'avais. » Et en fait, non, il a vraiment changé et je déteste ce qu'il est devenu. Parce qu'en fait, c'est grave retranscrit dans sa musique et j'aime pas du tout ce côté-là. J'aime pas ce côté-là où il veut trop montrer ses ouvertures artistiques, ces trucs de merde, ce Oklahoma shit à la con. Mais tain, mais mec, gros, je déteste ce type, j'ai trop la haine du premier là. Il a fait un album, un dernier album chez TDE, il ramène Kodak Black et genre, il n'y a aucun feat TDE, tu vois. Genre, il n'y a pas J-Rock, il n'y a pas Schoolboy, il n'y a pas Epsol. Ok, après Kodak, c'est pas contre lui parce qu'il fait une bonne perf, tu vois. Mais gros, le CD2, c'est là où je m'attendais à, ok, on va avoir les surprises, on va avoir des trucs et tout. Et bah en fait, les seules surprises que j'ai eues, c'est qu'en fait, c'était de la merde. Et gros, je suis tellement déçu. Gros, je suis tellement déçu de l'album. Tu sais, ça sort chez Aftermath, hein. Aftermath, Interscope. Ouais, y'a pas de soucis. Bah mec... Revival est sorti. On va pas comparer Revival et ça. Non mais voilà, mais tu vois, pour moi, il a raté le défi du double album. Il a raté le défi du double album, voilà. Et on l'a dit, hein. Beaucoup de gens se sont cassés la gueule, c'est très dur, peu ont réussi. Et bah Kendrick ne fait pas partie des gens qui ont réussi à faire un bon double album. Elle est pas bon. Parce que le CD2, gros, ça plombe le truc de dingue, gros. Bah. Mec, le CD2, c'est un très bon morceau avec Pharrell et un morceau cool avec Kodak. Ok, super, sur 9. Hein. Celle d'avant, l'avant-dernière, elle était pas mal. Moi, la dernière, j'aime bien, gros. Non, il a dit l'avant-dernière. L'avant-dernière, c'était nul. C'était quoi, attends? C'était grave à chier. Ah non, c'est la dernière, non, pardon. C'est celle-là. Non, la dernière, c'est là. La dernière. Et il chante trop. Mais gros, il chante. Après, il s'est rentré là-dedans maintenant. Même toi, t'as dit j'aime bien quand il chante. Oui, j'aime bien, mais gros, j'aimais bien quand on était à un tiers de l'album ou à la moitié. Après, il propose que ça quasiment. Il chante plus qu'il ne rappe, gros. Franchement, c'est tellement décevant. Non, mais en fait, c'est décevant, mais pas décevant dans le sens où. Putain, en fait, c'est décevant parce que c'est ses choix. En fait, c'est ça qui me fait chier encore plus, c'est parce que là, c'est assumer ce qu'il fait. C'est le Kendrick aujourd'hui, et le Kendrick aujourd'hui, je l'aime pas du tout. J'aime pas la direction qu'il a. J'aime pas l'homme. Oh, l'homme, carrément. Ouais, j'aime pas l'homme. Calme-toi. Là, je ne sépare pas l'artiste de l'homme. J'aime pas l'homme. T'es sérieux? C'est parce qu'il est devenu père. Je supporte pas. Il y a cette théorie des rappeurs quand ils deviennent pères, ils sont nuls après. Ouais. Mais gros, il est là, mais en plus, aurait dû voir la photo au Ghana hier, il est trop content, il est là. Gros, c'est plus le même. Mais c'est plus le même dans le mauvais sens. Gros, là, il veut trop faire le mec, genre.
je suis en dehors de tout ce qui se passe. Ouais, tu vois, en plus, il fit très peu. Je suis déçu, gros. Puis même, il se met pas en danger avec des rappeurs d'excellence en featuring. Non, mais bon, bon attends, alors moi, je vais m'exprimer sur l'album. Bon, effectivement, c'est déroutant. Effectivement, moi je m'attendais pas, déjà je parle du premier CD gros, je m'attendais pas à ce genre de prod, hein. Totalement déconstruit, beaucoup de changements d'instru, des ambiances un peu étouffantes en vrai, tu vois. Il y a, franchement je trouve l'album archi étouffant, beaucoup de chants, alors il rappe aussi mais il y a beaucoup de chants, et en vrai moi je retiens quand même quelques sons sur le premier CD, We Cry Together, incroyable. Où c'est très théâtral, hard, grimy, où il s'engueule avec sa meuf là. N95, incroyable, gros banger, vraiment là pour le coup, dès le début je me le suis pris. Worldwide Stepper, c'était pas mal. Purple Hearts, c'est 3 R&B pour moi, même s'il y a Ghostface qui débarque, en fait, la forme me plaît moins quoi, tu vois. Franchement ce morceau j'aime bien. Même avant que Ghostface arrive, j'aimais bien. En plus, je sentais l'aspect fin d'album, un peu en apothéose et tout, donc je comprenais un peu. Mais... Après, on a le CD2 et l'intro est lourde, hein. Je sais plus. Count Me Out, mec, vas-y, allez, ouais. Mon instru. Ah oui, non, c'est mec, c'est bien. Hard. T'as le son avec Kodak Black, moi j'ai bien aimé. Dark Crown, que j'ai grave kiffé pour le coup. Et après, bon, il y a le son avec Baby Kim, j'ai pas aimé. Savior, j'ai pas aimé. L'interlude, j'ai pas aimé. Auntie Diary, j'ai détesté. Des trucs bizarres là. Et mec, Monsieur Moral, j'ai kiffé. La prod est archi lourde. Mec, en fait, il aurait dû faire un seul CD en fait. Ouais. D'accord. Mais bon, du coup, frère, ça fait 9 sons quoi. Parce que chaque CD. On préfère un CD de 13, 13-14 que de 2 de 18. Au pire, bon, t'as des fillers, mais bon, voilà. Mais là, je sais même pas la manière dont je vais réécouter l'album. Genre, ça, tu vas faire quoi? Tu vas faire que volume 1 et après tu vas faire volume 2. En vrai, le vrai, vu que c'est Kendrick, je vais lui redonner une deuxième chance. Là, et je vais réécouter en déjà. Déjà, c'est tellement dense même au niveau des paroles, là on est en première écoute. Bien sûr. Genre celle qu'on n'a pas aimée l'avant-dernière, tu vois, elle est ultra chargée. Oui, mais je m'en fous des paroles. J'en ai rien à cirer, moi, des paroles. Si la musique me plaît pas, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas. Si je veux des paroles, je vais lire un livre. Il a ramené un auteur d'ailleurs. Mais c'est très bien. Moi, j'ai toujours dit, c'est musique, performance et paroles. C'est bon, moi je suis pas là en mode à me branler sur ouais mais ce qu'il raconte et tout. Je m'en bats les couilles de ce qu'il raconte. C'est musicalement, c'est de la merde. Il peut raconter des trucs totalement incroyables, un storytelling de dingue, des renversements de situation, des révélations de fou. Si c'est fait sur une musique de merde, je m'en fous. La preuve, on n'a rien ressenti. Quand il parle des causes LGBT par rapport aux gens de sa famille, ça pourrait être touchant, ça pourrait être, tu sais, en mode, tu sais, ça te bouge et tout. Mais non, parce que c'est de la musique de base et que la musique, elle est nulle à chier. La forme était faite. C'était fade, quoi. C'était de la merde. C'était fade. C'est pas fade, c'est de la merde. C'était fade. C'était alternatif. Gros, le CD2, c'est alternatif de fou, gros. Mec, en vrai, là, c'est un album. Plus j'en parle, plus je suis Non, déçu, moi, je suis déçu de l'album. Moi, c'est la première fois de ma vie... que je suis déçu d'un projet de Kendrick sur une première écoute. Je suis déçu parce que je peux pas me satisfaire juste de un CD un lourd. Mais la transition, elle commence à se faire sur Dame, sur la forme. Oui. Les choix de prod, la Bien forme. Sûr. Et c'est tout. Pour ça que j'ai dit la que la manière dont, dont il propose sa musique, déjà sur Dame il le fait. Mais gros, un tiers de Dame je le skip, donc ce qui est une raison. Voilà. Mais quand même. Bah, bien sûr. Ah oui, c'est un tiers de Dame c'est je skip. Beaucoup, quand même. Ah oui, Loyalty, Pride, Love. Et God. Oh non, God, non! Ne touche pas à ce track! Mais gros, ouais, il atteint le virage, il est dégueulasse. Même le casting, volume 2, il est vraiment. Casting, il fout la haine, gros. C'est que des mecs qui sont branlés sur Pitchfork. Mais c'est ça. J'ai le seum. C'est que des artistes upcoming new artists, ouais, alternative new artist, rap
A mix between rap and alternative techno and electro. Festival Wheel of Green. Oui, ouais, c'est ça, gros. Ta mère, putain. Est-ce que des headlines de Wheel of Green à la con, hein? Des Lollapalooza. Des Rolling Loud. Mais tu vois, Kendrick, il est tombé là-dedans, gros. Il est grave tombé là-dedans. Gros, il est tellement populaire. Ouais, mais c'est nul. C'est... Putain, je le déteste. Non, mais non, non, là, c'est pas le bouchon. Fuck Oklahoma. Mec, je n'aime pas Oklahoma. Voilà, Oklahoma, je n'aime pas. Okay. Mais en plus, tu vois, quand tu proposes hors part 5 et tout, t'es là en mode ok. Non, mec, par contre, je suis désolé. Mais pourquoi il a pas mis plus de soul dans l'album? Moi, je voulais ça en fait. Je voulais un album teinté de soul avec du rap. Surtout que c'est cohérent parce que c'est très church, surtout la partie 1. Bah ouais, beaucoup de piano, beaucoup de trucs. Y'a même pas un son de soul, blues, funky, rien. Juste l'intro, je crois, du CD1. Ouais. C'était juste ça. Quoi. Mec, vas-y. Puis le volume 1 était plus visuel, je trouve. Mais comment ça, moi, par contre, comment ça va me foutre la haine de voir les gens branler l'album? Ah non, mais là, c'est son meilleur projet, les gens ils comprennent pas. Il est arrivé au sommet de son art, de sa maturité, nanana. Et il parle de choses très sensibles. C'est article combini, ça. Ah, oui. Non mais gros, franchement, je suis déçu. Je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté. Gros mec, on avait quand même le droit à s'attendre à des feats quand même plus intéressants. J'étais tellement hype. Incroyable. J'étais tellement hype. Non mais j'aurais totalement dû me canaliser là en fait. Ah, vous avez été. Ah, mais moi je me suis dit, ça y est. Non, mais c'est normal. Y'a même pas un mec de Tidy, gros. Y'a même pas un mec de Tidy. Y'a même pas un mec de Tidy, y'a même pas J-Rock. J-Rock fait des respirations. Mec, c'est un manque de respect, je trouve. C'est un manque de respect, gros. Vas-y, tu sais quoi, dégage avec ton pidgiling. Trace-toi. Fais quoi, dégage. Nous, on va continuer. J-Rock, il va sortir son album. Et puis, il va sortir son album. Moi, ça va pas être ton rap de. Ton choix. Mais gros, ça dégoûte son teint. Elle s'achèterait pas l'album. Ah, j'achèterais pas l'album. Et le t-shirt, c'est parfait, il s'arrête à Dane. En fait, t'aimes pas Monsieur Moral. Ah, je déteste, je t'aime pas Oklahoma en fait. Enfin, quoi que Oklahoma, il est sur Baby Kim. Je sais mec, pas. Mais les sons sur lesquels il est sur l'album de Baby Kim, ils sont lourdeux. Mais oui, Ranch Brothers, Family Ties, Vent. Je t'ai dit, je veux du turn-up, y'a rien de tout ça. Si, y'a du turn-up quand même, y'a des morceaux. Oui, mais vite fait. Mais y'a en majorité de la branlette. T'as le CD2, mais mon dieu. Les deux derniers tiers du CD2, mais genre en gros, y'a personne qui... Enfin, et ouais, là, j'ai l'impression qu'il est en roue libre aussi. Là, y'a plus personne qui est là pour lui dire, gros, en fait, tu vas loin, tu vois. Y'a plus top dog pour faire un mec, il get top of the phone, gros. Get top of the phone, putain. Le phone, il est raccroché depuis longtemps. T'arrives pareil, tu l'as ressenti comment là-bas? Je suis déçu, elle voulait. Ah ouais, déçu. Vraiment déçu. Ouais. Ah ouais, vraiment déçu. Ouais, mais déçu. Putain. Genre là, si vous deviez donner une note sur 10. Déjà, en fait, il faut que je réécoute. Si je dois donner une note. Non, mais là, en première écoute, note sur 10. 11 ou 12. Non, mais sur 10, tu vas pas mettre 11. Ah, sur 20. Ah, il y a pas vraiment. C'est là qu'il fait ça. Il y a pas 11 sur 10. Bah non, parce qu'il y a 2 CD sur 10, c'est dur, mais si tu veux, oui, 5. 5 et demi. Ah ouais, 5 et demi. Moi je mettrais 7 en vrai, je pense. Ah oh ouais, bah il a kiffé. Il met 7. Non mais parce que t'es un ouf, gros. 7 c'est plus de positif que de négatif, gros. Ouais. Ah mais le volume 1, gros. Ah, le volume 1, il a kiffé. Ouais, donc la moitié. Et en fait, il a les 5, le 0,5 que je mets, c'est le volume 1, j'ai kiffé. J'ai kiffé un tiers du volume 2. Après le reste, c'est déchet. Ouais. Vas-y, 6,5, d'accord. Vas-y, 6,5, d'accord. Moi je mets 5,5. Moi je mets 5,5, gros. Parce que je suis désolé, c'est Kendrick, non, je suis obligé de juger de manière dure aussi, gros. Moi je le rejoins là-dessus, en fait, je pense qu'il aurait dû faire un seul album, en fait. Bien sûr. Et de filtrer, en fait. Enfin, un album de 10 sons, frère, et voilà. C'est vrai. Non, l'exercice du double album... Oh, c'est raté. C'est foiré. C'est raté, hein. Blueprint 2 est meilleur, hein. C'est foiré. Alors que Blueprint 2... C'est dommage, hein. Bah Blueprint 2 est meilleur, bien sûr. Bah Blueprint 2 mais est meilleur, hein. Même Street Disciple est meilleur. The Documentary 2 et 2.5 est meilleur. En plus, c'était long. Bien sûr, c'était lourd. C'était long. Bah ouais, mais c'était lourd. C'était très long. Et c'est un vrai double album, c'est genre 15-15, tu vois. Ouais, c'est très très long. Là, c'était sûr, je savais qu'il allait faire 9 tracks, 10 tracks, pas plus par CD. C'était sûr. Ah bah heureusement, hein, parce que putain, si c'était pour se taper
sa musique à... Putain, et les gens qui disaient, et ça va être le All Eyes On Me, notre génération, bah bite, putain. Putain, on est tellement loin. Ah ouais, non, j'ai gros, mais on a vu des trucs doux, mais si, sur Twitter, les gens... Non, mais moi, je suis sur Twitter, moi, c'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que moi, je suis un peu moins déçu que vous, du coup. Mais gros, après, même en dehors de ça, on était en droit de s'attendre à un très bon album, c'est normal. Ah oui, bah, c'est Kendrick. Bah, si tu commences à me dire, il faut baisser tes attentes pour Kendrick... Non, j'ai pas dit ça. T'as dit que t'allais être moins exigeant parce que c'était un double album. Oui, évidemment. Mais. Mais là. Là, parce que. Et là aussi, c'est pas une question de vas-y, t'as vu, c'était long, ça s'essouffle. C'est les choix. Il a vraiment. Parce que, gros, c'est un double album, mais c'est 18 morceaux en fait. Hein. Ouais. Dont 3 interludes, il me semble. Ouais. Donc, en soi, tu vois. T'as vu, c'est pas double album genre 12, 13, 14, 15 et tout. Donc c'est pas une question, ça s'essouffle. En vrai, c'est une question, c'est les choix, sont pas bons. Il dure combien de temps l'album, c'est quoi ? 1h11. Par contre, j'utiliserai pas le mot de filler sur les morceaux parce que chaque morceau il a sa teinte et chaque morceau il a son truc, tu vois. Non mais il y a des fillers gros. C'est nul, mais c'est pas un filler. Enfin, filler, tu vois, pour moi, ça veut dire genre qu'il a rien à foutre dans l'album. Ouais, là, en soi, je sens cohérent. Ils ont tous un propos, ils ont tous un truc. Donc chacun a pas de son identité. C'est ça, mais ils ont des identités de merde pour beaucoup, tu vois. Putain, mais mec, franchement, t'es passé de 0 de 100 à 0. C'est incroyable. En mon sens, deux tracks. C'est passé quoi En fait, dès qu'on est passé dans le deuxième album, t'as commencé à haïr, frère. Bah, parce que c'est devenu trop de la merde. Et qui s'est. Mais mec, l'intro elle est exceptionnelle! Mais c'est au fur et à mesure qu'il s'est renfoncé dans son truc. C'est à partir du son de Bébé. Les morceaux mettent 2 minutes pour commencer. C'est bon, c'est bien pendant une moitié parce que c'est nouveau, t'es là. Mais quand c'est. Est-ce que du coup, tu vas pas détester non plus le CD1? Non, bah non, non. Bah frère, parce qu'il y a des expérimentations, il y a des choix. Ouais, mais je trouve c'est beaucoup mieux, gros. Mec, c'est surtout sur le CD2, gros, je me fais chier. Sur le CD1, il n'y a pas un moment où je me suis dit je m'ennuie. Tu vois, sur la vidéo, on verra, je dis pas je m'ennuie. Mais c'est parce que t'étais hype. Non, c'est parce que c'était pas ennuyant. Bon, là, t'as des morceaux qui durent 5 minutes, il n'y a pas de percu, gros. Ouais. Frère, c'est bon, quoi. Et 5 minutes, il est comme ça. Mec, c'est bon. C'est un vocal WhatsApp. Il faut shooter. C'est un vocal WhatsApp, le. Putain, mec, je pensais pas que j'allais être déçu, hein. Ouais. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, je me suis dit, Kendrick, c'est sûr, l'album va être exceptionnel. Je me revois encore dire ça après l'écoute de The Hard Part 5. J'ai dit, mais si tu sors un son comme ça, c'est sûr que l'album va être lourd de ouf. Et putain, j'avoue, c'est une déception. En fait, je me suis pris une claque avec le volume 1, mais le volume 2, c'est dommage, hein. Mec, moi je pense qu'en fait le volume 2, hein. C'est la continuité du 1. En vrai, c'est la continuité du 1. Et il y a beaucoup de choses. Non, mais il y a beaucoup de choses cheloues qui tendent sur le 1. Ouais, mais c'est dilué. Moi déjà sur le 1, je me disais, mais il y a des trucs bizarres. Ouais, mais c'est quand même dilué. Il y a quand même des trucs. Enfin, je sais pas, je m'y retrouve beaucoup plus. Parce qu'on était en mode, ah, c'est créatif, c'est innovant et tout. Mais mec, il y a des trucs sur le 1, il est chelou. Tu vas réécouter, hein. Ouais, non, mais je réécouterai. Mais c'est mieux fait. Moi je trouve que c'était mieux fait, après je réécoute. Sur la 1, c'était mieux fait en tout cas. Je verrai. Mais oui, après de toute façon c'est cohérent. Donc. Ça tombe vers le volume 2. En vrai, je sais même pas si je lui mets la moyenne, frère. Comprends parce qu'en plus t'as moins kiffé le CD. Non mais moi j'ai moins kiffé le CD1, frère. Moi quand je compte les tracks là, j'arrive même pas à 6-7 tracks, frère. Ah, ça fait quand même. Mais gros! Sur 18, ouais. Mais c'est là, genre. Ouais, mais j'arrive pas à capter. Alors peut-être parce que j'arrive pas à capter et qu'il va me falloir plusieurs écoutes. Mais franchement, pour être transparent avec vous, le 1, le CD1, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Pas autant que nous, ouais. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ah oui. Et je pense que c'est parce que vous êtes dérouté du fait que c'est nouveau, nanana, et mec, vous allez voir. Mais franchement, Amine, je te connais, gros. Gros, je sais qu'il y a des trucs. Ah ouais, non, ça. Ah, deuxième écoute, il va moins. C'est très possible, non? C'est très dense. Gros, moi j'étais là pour de la violence! Je suis là à me faire caresser, frère! C'est quoi ça? Non, c'est vrai, gros! Franchement, les chants de meufs et tout, j'en peux plus! J'en peux plus, gros! Mec, c'est trop genre. Faut que des meufs elles soient là!
Mec, vas-y, ça me saoule. Mec, franchement, je suis grave dégoûté. Mec, je suis grave dégoûté, gros. Mec, il y a plus de meufs que de mecs qui rappent, qui chantent sur l'album, frère. Non. Mec, ramène Christine and the Queen, Youssef de Yakuza pour qu'on y est, frère. Ouais, carrément. Je te jure. C'est carrément des feats. Je te jure. Ouais. Non, mais en fait, maintenant, il est dans ce délire-là. Mais oui. C'est ça, gros. Mec, non, franchement, franchement, quel décès, putain, mais quand j'entends The Hard Part 5, mais c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Non, mec, il nous a dupé, gros, je suis désolé. Mec, non, mec, il nous a dupé. Je savais, The Hard Part 5, c'était pour la street. Oui. Mec, tu crois les mecs de Canton, ils vont écouter Monsieur Moral, là, normal dans leur caisse? Pas du tout. Mec, non! Mais tu sais que j'ai raison! Non, mais faut pas écouter ça, gros! King Kendrick, mec, Kendrick, il a quitté la sphère. Rap. En vrai, il appartient plus au rap, gros! Non. Pas du tout. Il apporte des segments rap dans sa musique! Ouais, qui n'est plus rap! Mais globalement, sa musique n'est plus rap! En vrai! Beaucoup de chance. Putain, mais mec, c'est. Oh, putain, je m'attendais pas à être déçu, hein. Vraiment. Putain, The Art, parfois, il m'avait. Mais en plus, on en parlait juste avant. Ah, m'avait rassuré. Je me disais, ok, mec, c'est Kendrick. En plus, sur Melodic Blue, il est. Ouais. Pff, il envoie du lourd et tout. Je me dis, ok, la direction va non, être mais là, bonne. J'ai l'impression. Non, mais là, j'ai l'impression que je dois supplier pour que ça rappe parfois. L'impression, je dois vendre ma daronne. Pour qu'il s'énerve un peu et qu'il rappe dur, tu vois. C'est devenu un loupé fiasco. Loupé fiasco, il était comme ça, frère. Dès qu'il a sorti Laser, ça y est, c'est parti en couille. En plus, Laser a été trashé et a été remanié par Atlantic. J'espère que ça sera bien trashé aussi. Ouais, je pense que tu vas pas être trashé du tout, mais t'es ouf. Mec, ça, en plus, c'est vraiment un album. Mais pour ça, les... mec, ça en plus, c'est un album pour les journalistes et les médias. Les thèmes, ouais. Les sujets sont tellement actuels. Pff, les gens, ils... on s'en donne à cœur joie. Kendrick se renouvelle, Kendrick montre. Les médias généralistes, là, ils vont ils lui ont un mois de... Ils ont un mois d'articles, là, déjà. Non, mais bon, ça, c'est un album pour les médias et les journalistes. Bien sûr, gros, laisse tomber. Mec, vas-y, hein, franchement. Bon. Bah, écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé de ce nouvel album de Oklama. Je dirais même pas Kendrick. Mister Morales, les Big Steppers. D'ailleurs, ils sont où les Big Steppers? Qui sont les Big Steppers? Putain, mais Ghostface, qu'est-ce qu'il fout dans cet album? Putain, mec, vous vous montrez. Genre, pour montrer, franchement, qu'est-ce qu'il fout là? On a réussi à être déçu d'un album de Kendrick sur lequel il y a un feat avec Ghostface. T'imagines s'il y a 5 ans, on t'avait dit le prochain album de Kendrick, il y a un feat avec Ghostface. Jamais tu te serais dit, mais ok, mais cet album pourrait me décevoir. On est déçu d'un album de Kendrick sur lequel il y a Ghostface. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il a loupé le coche. Ouais, le coche. Voilà. N'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont... Amigo 1 sur Twitter, Amigo sur Insta. Et la discographie de Kendrick, c'est ça. Ni plus du tout. Peace.